Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV, c'est parti pour un nouveau direct. Donc si vous êtes des nouveaux sur la planète Nuria, n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne YouTube. Donc vous cliquez tout simplement Nuria TV, vous allez nous retrouver, vous accédez donc au live et vous allez pouvoir communiquer avec nous ce soir, poser vos questions, vos commentaires sur le chat. Merci une nouvelle fois à toute l'équipe de Modo qui seront présents, histoire que tout le monde puisse discuter dans la joie et la bonne humeur. Et ce soir on va essayer d'apprendre, d'échanger, de s'informer et tout ça donc avec... vraiment peut-être une âme d'enfant un petit peu, parce que le sujet de Reine le Château, je trouve que c'est quand même quelque chose qui rappelle un petit peu les jeux d'enfance et tout ça. J'adore ce sujet là rien que pour ça, donc j'espère que vous allez apprécier aussi. Pour les connaisseurs de Nuria, les Nuréens depuis la première heure, vous avez déjà dû voir les deux premières émissions que nous avons fait en compagnie de Rudy Jacquet sur les deux premiers ouvrages, et il se trouve qu'il y a un tout dernier ouvrage qui vient de sortir, Reine le Château. Attention, là pour le coup c'est game over, et on reçoit une nouvelle fois donc Rudy pour qu'il nous explique un petit peu pourquoi ce titre, comment ça s'est passé, comment se sont passées ses recherches. Mais on va déjà commencer par poser les bases, et avant tout, déjà Rudy, bienvenue sur Nuria TV, comment vas-tu? Ah là, ça va plutôt pas mal, et bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous une fois de plus. Merci de revenir. Voilà, on avait passé deux belles soirées là, sur les deux premiers ouvrages que je vous montre tout de suite. Donc Reine le Château, hop, voilà le premier. Reine le Château, les sources, le livre qui va mettre tout le monde d'accord. Voilà, le voici. Vous pouvez retrouver les premières émissions juste en tapant les mêmes titres sur la barre de recherche sur le site www.nurea.tv. Ensuite, le livre numéro 2, c'était Reine le Château, les sources 2, le livre qui confirme tout. Voilà. Et enfin, vous avez donc Reine le Château, les sources 3, Game Over. Déjà d'une, Rudy, j'adore tes titres. C'est clair. Ouais, c'est net. Ouais, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien. Voilà. Clair, net, efficace. Non, mais faut ça... non, mais tous les titres ont déjà été pris, donc il faut bien trouver des trucs un peu nouveaux. Eh bien, il est vrai que Reine le Château, et tu le dis toi-même déjà, même dans tes ouvrages, que c'est un sujet dont on parle énormément, qu'on peut aborder de façon cyclique, j'ai l'impression, dans le temps. Ça ressort, et soit par des découvertes, soit par différentes personnes qui vont s'y intéresser, essayer de prendre le sujet par un autre bout, ou juste réanalyser ce qu'ont fait les anciens. Mais ça pousse à l'écriture. Ça nous fait un millefeuille, et c'est vrai que les gens ne s'y retrouvent pas, parce qu'automatiquement, une théorie en chasse une autre, et un fait est répété, une hypothèse répétée devient une vérité, et elle peut être démontée par le bouquin de l'autre. Tout le monde ne lit pas tous les livres, donc c'est un marasme, hein, je veux dire, c'est très 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 difficile de faire le tri dans tout ça, donc voilà, c'est un peu le problème. Alors, la petite différence avec tes bouquins, que j'adore personnellement, c'est simplement les images qu'il y a à l'intérieur pour expliquer. Les photos des lieux, les bandes dessinées qu'on peut retrouver aussi à l'intérieur, tu as toujours gardé la même présentation. Là, je vous montre donc le troisième qui vient juste de sortir, mais les autres ouvrages sont faits de la même manière. Et je trouve que pour un novice, sur le sujet et sur cette thématique aussi, des énigmes et tout ça, c'est vraiment facile de comprendre grâce à ça. Moi, je fonctionne beaucoup à l'image, donc là, au moins, c'est très clair. Bah, il faut que la personne qui ne connaisse pas le lieu puisse voir les choses en visu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse voyager. Ça serait comme un film, en fait, mais posé par de l'image. Et moi, c'est ce que j'ai toujours reproché à énormément d'ouvrages, c'est que c'est tout le temps que du texte ou des images de très, très, très mauvaise qualité, en noir et blanc. Ouais. Et non, moi, c'est un manque de respect envers le lecteur que de présenter des ouvrages avec des photos de très mauvaise qualité. On ne peut pas vraiment vérifier les choses. Tout dépend la date de publication. On va excuser les anciens. Ouais, mais même des choses assez récentes, qui ont moins de 10 ans. Je vais critiquer, bien sûr, c'est le but, mais il y a des ouvrages qui vont vous annoncer des choses merveilleuses et ils ne vous montreront jamais rien. Et ça aussi, c'est pour moi pas normal, parce que je suis un lecteur avant toute chose. Donc voilà, moi je suis toujours parti dans une démarche d'honnêteté, je montre quelque chose, j'explique comment y aller et les gens peuvent vérifier sur place. Voilà, c'est un guide, en fait. En plus d'une histoire et de tout un... C'est mis en forme, mais c'est aussi un guide. Et toute personne ayant les livres peut refaire exactement le périple. Voilà. Très bien dit. Je vais faire un petit coucou à Calimero qui est là avec nous ce soir. Véronique Bédard aussi, Philippe Dupan, merci beaucoup de nous avoir retrouvés. Christiane aussi qui nous dit bonsoir à tous, bon partage. Sarah Leroux qui nous dit « Faut-il voir les autres émissions pour suivre celle-là » Eh bien non, Sarah,
Non, pas forcément, pas forcément. Si vous avez envie, bien évidemment, vous pouvez retrouver dans les deux autres émissions, parce que à chaque fois on s'est arrêté sur l'ouvrage et bien sûr la toute première émission pour ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet et qui voudront en savoir plus après cette soirée-là. Regardez la toute première émission, on a vraiment pris le temps de bien développer les choses. Je me souviens que cette émission était quand même assez longue aussi. C'était le temps des 3 heures sur Nuria TV facile. Donc Ouais. voilà, c'était une émission assez longue. La deuxième émission, on est rentré directement dans le vif du sujet. Et là, bah, écoute, grâce à toi, tout devient de plus en plus clair. Donc sur Reine le Château, et je vais vous éclaircir, je vais vous lire une petite introduction qu'a préparée Rudy, entre autres, parmi tout. Donc tu as mis quelques petites dates. Voilà, c'est juste un Ouais, petit descriptif vite fait. Histoire c'est une que les... chronologie. C'est une chronologie, voilà. C'est les faits avérés, hein, du coup, hein. C'est vraiment tel que les choses se sont passées dans le temps. Et c'est toujours important de replacer Boudet avant Saunière, puisque Boudet arrive avant. Et on va Exactement. aller jusqu'à Noël Corbu avec et Pierre Plantard, avec De Sède et la construction du mythe. Voilà. C'est une Alors... chronologie qui permettra aux gens de se repérer un peu dans le temps. Voilà, sortez vos trousses et vos stylos, les amis. Voilà, ça va prendre 5 minutes. Mais je vais vous lire ça. Donc l'acte 1. Ça commence le 16 novembre 1937, la naissance du futur abbé Boudet à Quillan, dans l'Aude. On dit Quillan ou Quillian ou... Client, client, À Quillan, voilà, client, merci. ouais. N'hésite pas à me reprendre. Donc l'abbé Boudet, retenez ce nom. Voilà, 1937, le jour de sa naissance, donc c'était le 16 novembre à Quillan. Quillan, pardon. En Client. 1872, arrivée de l'abbé à Rennes-les-Bains. Il va y avoir plusieurs reines. Attention, ne vous laissez pas prendre par juste Reine le Château. C'est important. Là, faut vraiment prendre en note tous les noms qu'on va vous donner en introduction. Donc, il arrive 1872, arrivée de l'abbé à Rennes-les-Bains. 1886, publication de son célèbre ouvrage La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains. Décès à Axat en 1915. Axat, Assat, comment tu prononces? Alors, moi, je suis de Haute-Savoie, donc il faudrait demander aux vrais gens du cru. Mais moi, je crois que c'est AXA. AXA, donc décès AXA. à AXA en 1915. Voilà pour l'abbé. Ensuite, l'acte 2. 1885, arrivée de Béranger Saunière à Rennes-le-Château. 1891, découverte d'un tombeau lors des travaux dans l'église. Ça commence à... Voilà. On commence à Ouais, mais trouver ce des qui est pas choses. étonnant, puisque en fait, souvent dans les cryptes des églises, il y avait on enterrait les nobles, donc ça paraît surprenant parce qu'on est à Rennes-le-Château. Tout prend une démesure dès qu'on est à C'est ça. Rennes-le-Château, mais partout, même vers chez Arrête de moi, m'enlever il y a les des... étoiles, laisse-moi kiffer, Rudy. Non, non, mais les étoiles, on va les trouver, on Donc. va les avoir, on les aura, il n'y a pas de souci. Non, mais simplement, voilà, parce que c'est aussi un risque, et c'est bien de le remettre dans le cadre. Dès que Tu quelque as chose est raison. un petit peu étrange à Rennes-le-Château, ça prend une démesure. C'est comme les haines Non. inversées, je fais juste une petite parenthèse, mais les haines Ouais. inversées à Rennes-le-Château prennent une démesure et vous allez à Besançon, vous en avez. Donc, voilà. Continue. Allez, je continue. Moi, je garde mes étoiles, mais Rudy est à fond les pieds Mais tu sur les terre, je vous auras, tes préviens, étoiles. les gars. Donc, 1897, restauration intégrale de son église et des jardins l'entourant. 1906, fin des travaux de l'ensemble du domaine. 1917, décès du prêtre, sa servante Marie Denardeau hérite de l'ensemble de ses biens. 1953, décès de Marie, qui avait au préalable cédé le domaine en viager à Noël Corbu. Marie lui aurait alors promis de lui délivrer le secret ayant rendu son cher monsieur le curé si riche sans pouvoir le faire. Tintintin. Et Et ouais. là, on a le mot secret quand même. Oui. L'acte 3. Noël Corbu va monter un hôtel-restaurant dans le domaine et va commencer à raconter la belle légende du curé à l'ensemble de ses clients. La presse locale éditera plusieurs articles dessus. La légende était lancée. C'est à peu près ça. En 1967, le journaliste Gérard de Sède, sous la houlette de Pierre Plantard et le marquis de Chérisset, publiera L'or de Rennes donnant à cette affaire de trésor perdu une résonance nationale. Ce livre romancé comporte des documents sujets à caution. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles tu reviens au fil du temps sur cet ouvrage. Il y a des choses L'or qui de sont un petit Rennes, peu bizarres.
Le premier livre, en fait, qui a lancé vraiment même tous les chercheurs et tout au tout début de l'affaire, les premiers chercheurs, hein, on va dire vraiment le canal historique, qui sont vraiment partis avec l'histoire de Decède. Tout le monde y a cru parce qu'ils ont pris l'histoire, on va dire, telle qu'elle était publiée. Et le temps a fait qu'il y a eu les pour, les contre, et on s'est rendu compte qu'il y a eu plein de choses qui, dans le livre, n'étaient pas vraies. Mais du coup, le gros problème, c'est qu'en rejetant le livre, on a rejeté les pièces qui étaient publiées dedans, c'est-à-dire les Et parchemins, la notamment, date sourde. voilà. Il y a des documents qui sont publiés et même très très peu expliqués dans le bouquin. Tu vas lire des pages et tac, tu auras un document. Notamment la dalle de Koum Sourd, qui est hyper hyper importante. Et il n'y a pas plus d'explications que ça. Et comme Gérard de Et Sède doit faire son l'étoile roman, aussi. Et l'étoile. l'étoile célèbre comme Les Bergers Ah d'Arcadie oui. de Alors, les Nicolas Bergers Poussin. d'Arcadie, il va pas en parler. Oui, il va en parler parce qu'il dit que la Bessonnière a été à Paris, a ramené une copie des Bergers d'Arcadie. En fait, aujourd'hui, on pense vraiment que de Sède, par le biais de Plantard et de Cherizet, c'est très très flou, hein, mais c'est hyper important, a eu des documents en main. Ils ont eu une masse de documents, et De Sède avait comme mission, si tu veux, de raconter une histoire avec ce qu'on lui a donné. Donc il a bouché les trous comme il a pu. Mais le problème, et j'en reviens à ce que je disais avant, c'est qu'on a jeté tout d'un bloc en disant ça c'est faux, les bergers d'Arcadie c'est faux, parce que c'est De Sède, la dalle de Koum Sourd c'est faux, les parchemins sont faux. Et puis Plantard et de Cherizet se sont amusés. De Cherizet a dit que les parchemins étaient de lui, alors que c'est prouvé que c'est pas de lui. Daniel Dugès l'a très très bien prouvé en expliquant qu'il ne pouvait pas être le comment le parce qu'en fait il donne le décodage, mais il n'explique pas comment il aurait codé la chose. Enfin bref, c'est tout un arras. Enfin, du coup, on a avancé sur cette affaire. Et Laure de Rennes, moi c'est ma conviction et c'est ce que je vais expliquer notamment beaucoup dans le troisième bouquin, les documents qui sont dans Laure de Rennes sont authentiques. Et pourquoi ils sont authentiques? C'est parce qu'ils fonctionnent. On en parlera peut-être plus tard, mais voilà. Yes. Mais déjà, ne serait-ce que le mystère autour de Laure de Rennes, tu peux faire des livres et des livres pour parler de cette histoire. Eh Beaucoup ben. l'ont fait, Christian Doumergue est venu sur Plantard et tout. Mais c'est ne serait-ce que ça, déjà, c'est un mystère à lui tout seul, ce bouquin. Voilà. Mais donc, il existe, et c'est ce qui a vraiment lancé l'affaire. Ok. Et donc en 1981 sortira L'énigme sacrée en Angleterre, donnant à l'affaire une notoriété grandissante dans les pays anglophones. Le Da Vinci Code de Dan Brown s'en inspira partiellement et scellera la renommée mondiale du petit village, faisant passer une simple histoire de trésor à l'énigme du tombeau de Marie-Madeleine. Oui, ben voilà, c'est exactement le dérivé. C'est-à-dire, on part d'une histoire de trésor que Noël Corbu racontait. Plantard, par le biais de De Sède, va raconter l'histoire, encore une fois, va parler d'un trésor fabuleux de Jérusalem. Il ben, y a plein, plein. Il y a au moins 10 trésors possibles à Rennes-le-Château dans la légende, on va dire. Et après, oui, l'énigme sacrée, où Plantard aurait un petit peu mis un peu son doigt dedans. Ben, on va arriver vers le tombeau de Marie-Madeleine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on commence à citer Rennes-le-Château, tout le monde dit bah, c'est n'importe quoi, Marie-Madeleine, tout ça. Parce que c'est vrai que si on refait la chronologie et de la manière dont le mythe s'est construit, c'est des couches Ouais. et des couches et des couches. Et aujourd'hui, en fait, c'est très facile de tout jeter en bloc. Mais c'est plus difficile de dire non, non, il y a un fond de vérité peut-être à la base, sans doute, même c'est sûr, et de remonter la piste en disant voilà, des éléments existent, des choses fonctionnent. Et c'est toujours très difficile parce que quand tu vas te retrouver face à quelqu'un qui aura rejeté en bloc, tu auras un mal de chien, c'est pas l'expression, mais du coup tu auras énormément de mal à prouver que les choses sont vraies. Et moi je prends l'exemple des bergers d'Arcadie, j'ai démontré que dans la langue celtique, donc le livre de l'abbé Boudet, édité en 1886, les bergers d'Arcadie sont clairement pointés. C'est établi. Mais celui qui aura tout rejeté dira non, c'est De Sède qui invente cette histoire de tableau ramené de Paris, puisque la Bessonnière n'a jamais été à Paris, du moins on n'en a pas la preuve. Et voilà, on avance, on recule, on avance, on recule, et on n'arrive pas, c'est toujours très très difficile. Donc le seul C'est moyen que clair. tu as vraiment de prouver que les choses, que des éléments sont véridiques, c'est que sur le terrain, tu auras des résultats. Et c'est ce que j'avais prouvé dans le 2 avec les bergers d'Arcadie, et qui vont permettre de rebondir par rapport au 3. Voilà. Eh bien justement, je vais simplement donc, tu vois, on va commencer par la fin. Mais l'objectif que tu t'étais fixé, c'était de prouver la véracité de cette histoire, démontrer qu'il y avait bien un itinéraire codé à suivre qui indiquait donc différents lieux et tout ça. On verra si tu y arrives. Ah, attends, je voulais prouver si cela Ouais. était possible de le prouver, parce que s'il n'y avait pas Ouais. d'itinéraire, bah non, tu peux pas. Je ne suis pas parti dans le but de dire je vais prouver par tout moyen qu'il y a un itinéraire. Non, non, s'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. En l'occurrence, il y en a un. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu, il n'y aurait pas eu, et j'aurais dit.
Ah bah oui, voilà. Mais sauf que, donc, il y a ce tout premier ouvrage que tu as réalisé, Reine le Château, les sources. Donc, pareil, on est toujours dans la partie introduction au sujet. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce qu'on peut retrouver dans ce premier ouvrage, pour ceux qui ne l'ont pas? Et je sais d'ailleurs que tu vas bientôt, tu m'en as parlé, relier les deux ouvrages, hein, c'est ça? Ouais, je Donc suis en le train 1 de et le réfléchir 2. à une réédition parce que bah, le 1, il est en rupture. Il doit y en avoir encore à la porte de Rennes, mais ça va être vraiment les derniers exemplaires. Ouais. C'est un livre, c'est le premier. Il y a des maladresses, il y a des choses qui ne sont pas vraiment parfaites, même au niveau des montages et tout. Donc je l'ai remasterisé, comme on dit, tu sais. Ouais. J'ai repris les montages, je les ai fait mieux que ça. Le propos est exactement le même, puisque par chance, bah, ce que je démontrais, quand j'ai refait les choses beaucoup mieux, j'ai même redécouvert des choses, donc j'ai rajouté quelques éléments qui sont vraiment très très précis. Mais voilà, donc Mais c'est il y une a eu réédition. déjà dans ces deux ouvrages des choses qui t'ont permis de te dire qu'effectivement, il y a un codage, il y a un itinéraire déjà. Dans Ouais, ces deux clairement, bien ouvrages-là, on sûr. peut avoir la preuve qu'il y a eu un fond de vérité et qu'il y Alors a effectivement. les preuves, c'est toujours pareil. Tu auras toujours quelqu'un qui te dira ce que tu montes, ça ressemble, mais c'est pas ça. Voilà, tu auras toujours le pour et le contre. Oui. Après, moi, comme je dis, c'est pas les anciens chercheurs qui. C'est pas un conseil de classe, hein. C'est aux lecteurs, aux passionnés, aux visiteurs d'aller sur place et de par lui-même juger, puisque finalement, les lieux entre leur représentation dans les tableaux et dans la réalité, voilà. La personne est juge de savoir si c'est vrai ou pas. Alors voilà, c'est un peu le problème que j'ai eu avec pas mal de contradicteurs. Alors, j'ai eu des contradicteurs sur la finalité, j'ai rarement eu des contradicteurs sur la méthode. Alors, ça. Ah, c'est bien, voilà, la Ouais, c'est méthodologie est bien, validée. ouais, moi j'ai attendu. Moi. Ou alors un démontage avec une extrême mauvaise foi et. De toute façon, c'est pas très Ah, grave. ça arrive hein, pour tous les sujets. Alors, il y a Oui. Corée qui dit, Alors. Paulin qui dit, j'ai hâte de lire vos ouvrages. Bah écoute, franchement, c'est tu vas te faire un kiff. Tu vas te faire un kiff. Tous ceux qui aiment les énigmes, qui aiment les challenges, réfléchir, vous allez adorer. Ça va vous inspirer. Et moi, perso, je trouve que l'abbé Boudet, c'était un grand enfant. Voilà. Et tous ses potes aussi. Si toutefois, on Donc, admet que ça soit l'abbé Boudet. Hein, donc, si c'est lui, en tout cas, si voilà, si c'est c'est lui, lui, tu as si c'est lui. raison. Car moi, c'est l'axe que C'est. je prends. Mais voilà, encore une fois, je parle plus souvent des codeurs que de l'abbé. Je ne cite pas l'abbé Boudet, en fait. Je dis les codeurs. Les Parce codeurs. que les codeurs, puisqu'on ne sait pas s'il était seul, s'ils étaient deux, s'ils étaient trois, si c'était collégial. C'est Et vrai. finalement, on n'arrive pas encore vraiment à pointer. On voit à travers les différentes sources authentiques, puisque Reine le Château, les sources. Parce qu'au préalable, moi, j'avais travaillé sur les sources dites authentiques, les choses qui n'ont pas été altérées. Alors, on a parlé des pièces qu'il y avait dans l'ordre de Donc. Rennes, hein, qui étaient des pièces sujettes à caution. Moi, j'ai travaillé sur les pièces authentiques, c'est-à-dire le domaine de Rennes-le-Château, et notamment avec les Ouais. photos anciennes et ce qui était encore visible, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils y ont dynamité, donc on en reparlera à la toute fin. Il y a les cartes postales de la Bessonnière, hein, donc qui sont des photos d'époque, des photos contemporaines. La vraie langue celtique de Boudet, c'est une pièce authentique. C'est un livre qui a été reproduit en fac-similé. Il n'y a pas d'altération. Et puis le fameux dessin de la stèle qui a Voilà. été publié en 1906. Voilà, ça c'était les trois premières sources. Donc le premier bouquin ne traite que de ces sources-là, les sources authentiques. Ouais. Donc on ne peut pas discuter de ces sources autres que de les prendre telles quelles. Et amenait à un résultat qui était, alors à l'époque je l'appelais le rocher du crocodile, mais le rocher du serpent, c'est plus approprié. Donc ceux qui n'auront pas lu le 1 et qui n'auront pas lu le 2 ou qui n'auront pas regardé les deux premières émissions, eh ben, faites-moi simplement confiance sur la localisation du rocher du serpent et la suite elle déroulera dans le 3, vous aurez Oui, on peut très bien toute la accéder suite. Voilà. directement au livre 3 sans, voilà, On en peut, attendant que à tu, voilà, condition de pour me faire des, confiance sur le premier. voilà, Donc sinon oui, regarder les émissions et les premières émissions et ensuite passer directement en 3, c'est possible aussi. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est juste que, donc c'est les codeurs ont codé toute une histoire, mais sur différents supports, salut le chat. Donc c'est rare hein, qu'on ait Pookie à l'écran. Mais voilà, donc ils ont codé, donc comme tu disais, dans des ouvrages, des tableaux, sur le terrain, enfin, de partout, ils ont utilisé finalement tout ce qu'ils avaient sous la main, que ce soit matériel ou naturel. C'est ça qui est dingue en fait. Oui, alors moi, ce que j'ai voulu démontrer, alors si on repense au premier bouquin, donc voilà, je parlais des sources authentiques. Le deuxième bouquin, on va partir sur les bergers d'Arcadie, puisque mon cheminement me fait
par rapport notamment au livre de l'abbé Boudet, et par rapport aux découvertes faites sur le terrain, puisqu'il y a le rocher du serpent. Et dans le 2, en fait, il s'avère que sous le rocher du serpent, il y a donc une sorte de ravin comme ça, et il y avait de la terre qui avait un peu obstrué la chose. Et alors, la vérité, nous, on pensait clairement que la chose était dessous, hein. Donc, on a dégagé de la terre et il s'est trouvé, on a trouvé cette borne carrée qu'on a cru être la bonne. On a cru que c'était le bouchon. Et c'est ce que j'ai dit dans la première émission, c'est ce que j'ai dit dans la deuxième. Et en toute sincérité, moi, je pensais vraiment que c'était ici. Et non, en fait, en retirant cette pierre, qui était un menhir couché, hein, je crois que je l'avais déjà dit, il n'y avait rien. Mais Ouais. les photos ont été prises au Donc. préalable. Et c'est vrai que tout ce pan de roche pris en photo, superposé au berger d'Arcadie, se superpose parfaitement. En tout cas, sur la partie tombeau avec le pied Alors posé sur la attends. pierre. Ah, Attends, ça, c'était dans le 2, donc ça, on pourra le revoir dans l'émission. ça c'était dans le 2, c'était juste magique parce que à chaque fois qu'on a fait des émissions ensemble, donc tu as partagé pas mal d'informations qu'il y a dans les ouvrages. Bien sûr, il n'y a pas tout parce qu'il y a énormément d'infos, énormément de choses que tu as pu donc décoder avec donc ta méthodologie à toi et justement qui n'a eu aucun reproche. Donc après, comme tu disais, il y a certaines subtilités, certaines choses, on peut se dire, ok, toi tu vois peut-être un lien entre ça et ça, mais bon, Oui, ça non, peut mais ça, on est être d'accord, hein. Il y a voilà. toujours une Mais interprétation. ce qu'il y a, c'est quand on rajoute beaucoup d'éléments. C'est là où, quand ça se superpose de différentes façons, où là, on se dit, bon, il y a certainement quelque chose, et il n'y a pas de hasard. Et ce livre, justement, commence par une incroyable histoire. C'est-à-dire que moi, je pensais déjà qu'au numéro 2, quand tu dis le livre qui confirme tout, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Donc c'est vrai que quand tu m'as contacté, tu m'as dit, écoute, j'ai sorti un troisième ouvrage. Game over, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que tu te relances dans l'enquête, ce que je pensais que tu avais mené au bout, en tout cas à ce moment-là, l'instant T, Et je le pensais et il y tout a autant. cet ouvrage énorme qui vient de sortir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'histoire est folle, je trouve. Donc, est-ce que tu veux bien qu'on commence directement par ton commencement là, Oui, attends, cet juste que je ouvrage? me repère dans mes feuilles parce que Alors, c'est. on a des documents à vous partager, des photos à vous partager, et vous comprendrez pourquoi. Bah, il y a des Oui! fois des synchronicités qui se passent, même quand on est tranquille en vacances peinard, et que. complètement hors sujet, mais pour Rudy, voilà, le reine le château le poursuit. Oui, Partout où il alors, va. pour expliquer la chose, je vais juste faire une petite parenthèse, que ce soit sur le terrain, donc à l'époque du Rocher du Serpent, et même sur la suite de l'aventure, j'étais avec des amis et on s'est séparés. Voilà, on a pris des voies différentes. Donc aujourd'hui, je parle en mon nom. Hein, voilà. Mais bon, Ok. c'était juste pour, histoire de le dire. C'est-à-dire que toute la partie théorique, la partie décodage, on va dire, et de moi, la partie terrain, voilà, on était une équipe. Alors quand on est une équipe, c'est normal, hein. On arrive sur un lieu, chacun part à droite, chacun part à gauche, et puis l'équipe fait qu'il y en a un qui va voir quelque chose et machin. Bon. Donc voilà, Donc on les découvertes sur le remercie toute terrain. l'équipe qui était sur Oui, place bien sur le sûr, terrain. non, Petit clin d'œil à eux parce que ça fait toujours plaisir de partir en groupe. Et effectivement, ça fait plusieurs yeux qui regardent Oui, mais partout. tout à fait. Je veux dire, une fois que tu arrives sur un endroit précis qui est déterminé. C'est collégial. Quelqu'un va voir quelque chose, va peut-être pas forcément remarquer, l'autre dire, ah, mais ça ressemble à ça, l'autre va arriver de l'autre côté, il va voir un angle différent, va dire, mais ça c'est ça. Voilà, donc Ouais, c'était. Voilà. c'est génial. De toute façon, c'est clair et net, tu fais rien tout seul. Hein. Et puis Non. pareil, hein, moi j'ai écrit des bouquins parce que d'autres auteurs ont écrit avant et ont amené des éléments et tout ça. Tu ne fais jamais rien tout seul. Non, mais c'est C'est bien de le clair. dire parce que C'est bien de le moi dire, je bah ouais, remets. merci à Non, mais moi toi. je remercie les anciens chercheurs, je remercie les gens avec qui j'ai été sur le terrain, on a pris des voies différentes, c'est un fait. Voilà, je veux dire, je voulais le préciser parce que c'est quand même important de le dire. Il y a Anne qui me dit tout ce que j'ai pu regarder sur ce sujet, c'est Rudy qui m'a le plus inspiré. Moi j'adore ta façon C'est d'expliquer les choses, gentil, c'est c'est hyper gentil. accessible pour Mais tout le monde. ouais, c'est peut-être accessible. Mais encore une fois, moi, je suis le descendant de toutes ces personnes qu'il y a eu avant. Parce que moi, je les ai lus, ces gens. Il y en a avec qui j'ai été d'accord, d'autres avec qui j'ai pas été d'accord. Mais en fait, on est les héritiers de ces gens, de ces anciens chercheurs. Il faut avoir du respect pour ces gens-là. Pour certains, non. Mais pour beaucoup, oui. Et voilà. Donc, c'est aujourd'hui, j'ai fait ces livres, mais c'est quand même l'héritage de toutes les autres personnes. Parce que si les anciens n'avaient pas balayé devant, on serait encore en train de chercher. Hein. Donc, voilà. Il faut bien les remercier. Et moi, je les remercie toujours dans les bouquins. Alors, je me prends le nez des fois avec eux Alors, sur Facebook, mais je les aime énormément. J'ai toujours dit avançons donc avec toi. oui, Alors, tu on nous va emmènes avancer. là pour le coup ce soir tous les Nuréens sur quels différents lieux, qu'on voit un petit peu comment tu t'es retrouvé là, pourquoi et comment tu as pu trouver Alors le des choses ou pourquoi, mais des non, mais réflexions.
Oui, alors moi, comme tu l'as dit, pour moi, c'était fini, hein. J'avais fait le deuxième bouquin. Voilà, il y avait ce tombeau, enfin, ce que j'appelle moi le tombeau symbolique, c'est-à-dire vraiment le tombeau de Poussin qui était sous le rocher du serpent. On avait quand même une concordance parce que on avait ce rocher du serpent qui apparaît dans la langue celtique dans la gravure. On avait ce pan de roche qui était semblable aux bergers d'Arcadie. Les bergers d'Arcadie amenaient aussi par un décodage au même endroit, c'est ce qu'on voit dans le 2. Donc, n'ayant rien trouvé à cet endroit-là, j'ai pensé que la cage pouvait être à côté, en dessous. Puis tu sais, le terrain fait que. Tu sais, si t'as pas un détecteur à cavité, tu peux creuser et tu peux creuser longtemps. Hein. Si tu creuses à 1 mètre, tu voilà. Bref. Pour moi, l'histoire, elle était terminée. J'avais fait mes livres, je les avais fait avec la plus grande honnêteté. Pour moi, on arrêtait là. Pour l'instant, je vais à Rome pour l'anniversaire de mon épouse. Nous allons à Rome. Premier jour, premier matin. Et bon, bah, Rome, c'est une ville, mais c'est splendide. Je veux dire, il y a 1 000 trucs à voir. Puis bon, bah, le truc un peu kitsch, entre guillemets, c'est d'aller voir la fontaine de Trévi, puisque Oui. toutes les personnes vont à Trévi, puisqu'il faut jeter la pièce et pouvoir y retourner. Hein. Si tu ne jettes pas la pièce, tu n'as pas le droit de retourner à Rome, dans la tradition. Et en fait, bah, voilà, on va chercher Trévi, on se perd un petit peu et on contourne Trévi et on va arriver par derrière. On va arriver par le côté gauche. Et là, ce n'est pas moi, c'est mon épouse. Elle voit la fontaine de côté, elle dit « Ah non ». Elle n'est pas passionnée par cette histoire, mais elle connaît un petit peu. Elle dit, ah non. Et moi, j'arrive et je lui dis, ah, mais tu te rends compte, ils ont réussi à foutre le rocher du serpent même à Rome, sur le ton de la plaisanterie. C'est la Je suis photo en qu'on train de voit. partager la première photo Voilà, t'es en parce train de. qu'il faut l'avoir sous les yeux. Il faut l'avoir sous les yeux. Et alors, le rocher du serpent est légèrement incliné vers le haut, hein, parce qu'on m'a fait tout un procès là-dessus. Non, il est vraiment tel que vous le voyez sur la photo. Hein, les arbres font foi. Hein. Et bah, voilà, la comparaison. Mais encore une fois, tout ça, je vais l'expliquer hein, dans le bouquin, comment j'arrive à déjà la surprise de voir la ressemblance, essayer de Ouais. comprendre pourquoi cette chose se retrouve à Rome, essayer de comprendre la chronologie par rapport à Rome, parce que si cette fontaine existe, et parce que c'est toujours de l'hypothèse, il y a déjà une ressemblance qui te met sur une voie, mais après, est-ce qu'il faut comprendre, est-ce qu'on peut les raccorder? Est-ce que ce n'est pas un jeu de l'esprit, encore une fois? Donc, il y a tout un travail de recherche qui a été fait. Encore un peu de manière collégiale, c'est-à-dire d'essayer de retrouver qui a construit la fontaine de Trévi, comment elle s'est faite, dans quelles conditions. Eh ben, dans le bouquin, c'est expliqué. Je ne vais pas faire le développement ici, mais dans le bouquin, c'est expliqué et on se rend compte que il s'est passé beaucoup de choses. Notamment, moi, c'est un truc qui m'avait fait tilter. La fontaine de Trévi a été inaugurée alors qu'elle n'était même pas terminée. Au moment de l'inauguration, il n'y avait que la base des rochers qui était posée. Et le pape D'accord. vient comment l'inaugurer. Parce qu'à mon Ok. avis, la partie importante de cette fontaine, c'était la base des rochers. Pas les statues qui sont dessus, qui sont splendides, mais à mon avis, la base. Et moi qui suis sculpteur, dessinateur, je peux te jurer que quand tu fais une base de rochers, tu t'ennuies pas à faire une prépondérance comme ça. Hein. Parce que c'est du temps de perdu, c'est de l'argent de perdu. Hein. Mais vous allez voir, dans le bouquin, il y a toute l'histoire, il y a toute la chronologie. Donc c'est Nicolas Salvi hein, qui était l'architecte de cette fontaine. Et il y a même un sculpteur qui a été renvoyé parce qu'il voulait modifier les rochers, donc ils en ont pris un autre et tout. Il y a une sacrée histoire autour de Trévi. Juste une chose, c'est que cette fontaine de Trévi, qui est la plus grande fontaine de Rome, avait une place prévue initialement et sur le premier projet, et ça n'a pas été acté, et ils l'ont redécalé, et à raison. Parce que c'est ce qu'on va expliquer après. D'accord. Alors, il y avait la Donc, deuxième photo, je crois. Hein. C'est ça? oui, je suis passée à la deuxième photo déjà. Alors ça, c'est une vue inversée. Hein. C'est-à-dire que le rocher du serpent tel qu'il est à Rennes-les-Bains est comme ça. Et la prépondérance de Trévi, là, j'ai inversé la photo parce qu'elle était beaucoup plus ressemblante dans ce sens-là. Mais voilà, donc après, on peut comparer. Alors oui. Ça, on n'a pas de photo là-dessus, mais il se trouve que la fontaine de Trévi, et c'est vérifiable, hein, vous allez sur Google Earth, tout ce que je dis, ce que je démontre, est vérifiable par n'importe qui. Hein. Il n'y a pas de secret mystérieux où je dis quelque chose qui n'est pas vérifiable. La fontaine de Trévi est axée en direction de l'arc de Titus, dans la vieille ville de Rome. Oui. Et l'arc de Titus a une position qui fait que le rocher du serpent, on va dire, de Rome, regarde à l'intérieur même de l'arc de Titus. Où on voit les soldats romains ramener le trésor de Jérusalem. Oui, dans l'ouvrage, tu dis quelle information peut nous apporter cet axe de Trévi long de 1230 mètres? Existerait-il un rapport entre cette fontaine dont la réalisation s'étend sur près de 30 ans et cet arc? Parce que voilà,
Au début, tu sais, c'est toujours pareil dans la recherche. T'as toujours des postulats et puis tu as toujours des hypothèses. Alors tu te dis, voilà, partons du principe. Et tu rêves hein, au début. Hein, Bah tu oui. pars de l'imaginaire. Tu dis, ils ont mis le serpent ici. C'est axé en direction de l'arc de Titus. Est-ce qu'on pourrait pas, nous, à Rennes-les-Bains, refaire la même chose, en fait? Reproduire cet axe, mais à Rennes-les-Bains. Ah Alors oui. après, il faut trouver comment axer cet axe. Bon, il y a toute une combine, c'est expliqué dans le bouquin, qui fonctionne parfaitement. Et on arrive à un endroit précis. Alors c'est là aussi, alors je vais le dire, hein, c'est à l'intersection du méridien zéro et de la Salse. On arrive dans une zone. Et là, donc on est parti à gauche, on est parti à droite, on a tout vu. Et on est tombé sur ce rocher-là, hein, le rocher de la tête. Le rocher de la tête, que je vous partage à l'écran là tout de suite. Alors ce rocher de la tête, il est impressionnant parce que il n'est pas à taille humaine, il doit mesurer. Enfin, j'avais une photo, j'étais à côté. Oui, il arrive à peu près par là. Et il y a réellement un nez, il y a réellement une bouche, il y a réellement un œil. Hein. C'est quelque chose de. Il est fabuleux ce rocher. Et ce rocher donc se situe vraiment sur le bord. Il est sur la ligne du méridien de Paris, méridien zéro. Donc ça déjà, ça interroge. Il est un peu plus loin que 1230 mètres. Hein, il faut un petit peu monter. Et tout de suite, quand on voit ce rocher, on se dit, ah, mais c'est vrai, l'abbé Boudet, à Rennes-les-Bains, donc le curé de Rennes-les-Bains, avait fait poser sur le mur de son presbytère une tête, la photo qu'on voit. C'est une Ouais. photo d'époque, c'est un ami qui m'avait donné cette diapo. Et là, on se dit, c'est vrai qu'on s'était toujours posé cette question, pourquoi l'abbé Boudet avait calé cette tête sur le mur de son presbytère, avec un mot explicatif dessous, alors que c'était dans sa cour intérieure. C'est-à-dire que c'était visible de personne à part lui-même. Donc là, ça interroge cette chose-là. Oui, Il n'y beaucoup. a pas que ça, puisque j'ai toujours travaillé en décomposant les sources, c'est-à-dire d'un côté la langue celtique. Est-ce que la langue celtique va nous amener à cet endroit-là? Il se trouve que oui. Il y a toute une subtilité. On ne va pas en parler ici parce que la langue celtique, on ne peut pas l'expliquer dans une émission. Il faut lire, il faut poser le Non, c'est truc. une grosse partie dans l'ouvrage. C'est une grosse partie, mais voilà. Est-ce que Rennes-le-Château fonctionne aussi de la même manière? Il se trouve que oui. Alors je rappellerai quand même, pour que les gens visualisent un peu la chose, dans la petite église de Rennes-le-Château, il y a un énorme rond de bosse, avec une fresque qui est peinte autour, on en avait déjà parlé. Et quelle est la partie la plus haute dans cette église? C'est la tête du Christ sur cette grande sculpture. C'est la partie la plus haute de l'église. Donc, c'est la partie la plus importante, enfin, plus importante, qui au moins est isolée vraiment toute seule. Nous avons vraiment cette tête qui est signifiée à Rennes-le-Château, à Rennes-les-Bains, dans la langue celtique, et aussi dans les bergers d'Arcadie, puisqu'on va revenir quand même à la base. Les bergers d'Arcadie nous ramènent encore à cet endroit-là. On ne va pas le montrer parce que ça serait trop long à expliquer, quoique c'est très visuel en plus. Ouais. Et donc ce rocher de la tête, encore une fois, moi j'ai pensé que c'était le bon endroit. À Bah chaque fois que oui. tu trouves un lieu, tu dis c'est le lieu final. Bah ouais, tu as toujours un peu cette impression-là parce qu'il se trouve que derrière, on va passer à l'image d'après, Ouais. il se trouve que derrière, eh ben, il y a, mais vraiment tout derrière, hein, il y a vraiment ce rocher en forme de pyramide. Et puis ce trou. Et ce trou aussi a une importance, puisqu'on va le retrouver aussi dans la langue celtique, dans la gravure, on va le retrouver. Cette pyramide, on va la retrouver à Rennes-le-Château sous l'autel Marie-Madeleine, parce qu'on peut comparer la peinture à la réalité. Tout le monde. Alors là, voilà un exemple de ce que les gens peuvent comparer. C'est pareil, c'est pas pareil, d'autres te diront oui, d'autres te diront non. On a quand même le pan de roche, on a la pointe, donc on a quand même quelque chose qui est très semblable. Et qui est derrière le rocher de la tête. Tu vois, voilà, c'est comme ça que comment elle se fait la recherche sur le terrain. On a des éléments et on arrive à les faire concorder. Enfin, on arrive. Pas en tirant les faits, hein. Je veux dire, voilà, on a une image de ce qu'il faut trouver ou ce qu'il faudrait chercher. Et du coup, une fois que tu es sur le terrain, ça se match, comme on dit, tu vois. Bah oui. Et ce qui était intéressant, bon, voilà, c'était un petit clin d'œil. Moi, j'en parle pas dans le livre parce que je savais pas vraiment comment le tourner, mais. Il y a cette tête, puis derrière il y a la pyramide, tu vois, puis c'est axé sur le méridien de Paris, donc le méridien solaire. Et donc il y avait un petit lien peut-être avec l'Égypte, tu vois, voilà, on pourrait partir là-dessus. C'était très marrant parce que tu dis que tu as le sphinx et t'as Gizeh derrière. Bon voilà, ça c'était. Je savais pas comment le placer, je lui dis j'en parlerai là ce soir. Et voilà, typiquement l'exemple de choses. Alors moi, voilà, j'ai pensé encore une fois que c'était là. D'accord, Mais. on va avancer. Je vois qu'il y a, je fais un clin d'œil à Audric, que je sais très passionné par ce genre de mystère. Audric, notre modérateur, il adore ça, donc il doit être fan là, de tout ce que tu dis. Alors, est-ce qu'on passe
Alors oui, À un moment, alors. quand même, tu as bloqué dans l'enquête, hein. Il y a Ah eu mais une sorte complètement. de petit C'est-à-dire blocage dans que. l'enquête. Ouais, c'est-à-dire que. Et c'est peut-être aussi là qu'avec le groupe, on a un petit peu. Ça a commencé peut-être à partir un peu dans des sens différents. Moi, je pensais que c'était là. J'étais parti dans l'idée qu'il fallait vraiment rester sur cette zone, continuer à chercher autour de cette zone. Et puis non, ça tournait en rond. Il y avait ce rocher du serpent, il y avait cette tête. Il y avait plein d'autres choses, mais finalement, c'était toujours pareil. On n'avait pas l'élément qui permettait d'aller plus loin. Et puis un jour, tu vois, voilà les synchronicités. Un jour, je reçois un message de Nicolas Deléon. Et tous les aficionados doivent le connaître. En tout cas, les gens du cru le connaissent. Il est guide à Alette-les-Bains, hein, donc l'ancien évêché. Alette-les-Bains, qui est à côté de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Couisade, vraiment dans le secteur. Et il m'envoie un message un jour avec le glyphe de Quillan. Et il me dit. Peut-être que ce glyphe pourra t'aider. Et ce glyphe, on le connaît, hein, tous les chercheurs le connaissent. Il y a même une rumeur qui voudrait que l'abbé Boudel aurait fait graver sur le mur de l'église de Quillan, sans jamais pouvoir le prouver. Tu sais, ça fait partie des. Mais c'est marrant parce que ça se dit depuis beaucoup d'années, c'est pas prouvé, mais c'est voilà, c'est Je latent, le c'est là. partage On... à l'écran. Ouais, tu peux le Il est à partager. l'écran. Allez. Et Nicolas Deléon m'envoie ça. On n'en parle pas plus. Je le mets dans un coin de ma tête et je me dis, tiens, c'est quand même étonnant parce qu'on a cette barre qui pourrait faire penser au méridien. On a cette triangulation. Moi, j'avais eu cette triangulation pour obtenir la localisation du rocher de la tête. Je dis, c'est quand même marrant. Il y a un croisement. Puis tu sais, à force de travailler sur Rennes-le-Château, tu emmagasines des tonnes et des tonnes d'informations, des tonnes et des tonnes d'images. Tu sais, d'une sorte de moteur de recherche. Tu vois un truc, tu dis, tiens, ça peut coller avec ça, machin. Puis après, je me dis, mais c'est rigolo, parce que c'est vrai que sur le petit parchemin, il est dans l'angle. Mais le petit parchemin, le problème, c'est que c'est soi-disant un fake. Ça fait partie de l'or de Rennes, donc il est censé ne pas être une pièce valable. Ah, voilà, je me dis, et j'en ai discuté avec d'autres personnes, je me dis, non, il est peut-être valable. Et puis, d'autres chercheurs, et ça, c'était Jean-Pierre Garcia qui l'avait montré sur son site, qui est aussi un autre chercheur, comme quoi c'est collaborationniste. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément tous dans l'entente, mais un chercheur met quelque chose, et tout ça. Et puis c'est vrai que finalement. Il y a des éléments qui sont chez les autres. Et c'est pour ça que c'est dommage, c'est qu'on ne se mette pas autour d'une table plus que ça. Bon, moi, toujours est-il qu'à Rennes-le-Château, sur le clocher de l'église, tout en haut, donc encore une fois, tout au sommet, alors ça, on est sûr que ça ne sera jamais détruit, enfin normalement, il y a cette date avec ce 4 qui a une forme très particulière. Et tous les autres 4, parce qu'il y a d'autres dates hein, qui sont un peu partout à Rennes-le-Château, c'est des 4 qui sont faits d'une autre manière. Il n'y a que là où on va vraiment retrouver ce 4 très. Donc là, on a déjà trois fois ce glyphe qui semble revenir, si tu veux. Ah oui, donc l'image d'après, donc avec le poisson, c'est Alors, ça? non, on était sur le poisson. Là, si tu veux, je peux passer. Ah oui, alors passe à l'image d'après, parce que du coup, oui, moi j'avais inversé. Donc là, voilà, tout le monde a l'image avec le parchemin. Voilà, ouais. Voilà, donc sur le parchemin, on va le retrouver en haut. Celui que vous voyez gravé dans la pierre, donc ça, c'est le glyphe de Quillan qui est sur l'église en hauteur. Et celle d'en bas avec la date 1740, donc ça c'est à Rennes-le-Château. Donc on a déjà trois pièces, deux réelles, le parchemin on ne sait pas, qui vont nous montrer ce glyphe, cette forme très Voilà, particulière. je le mets encore en plein écran. Ce symbole, faites-y très attention. C'est On va y d'ailleurs ce revenir. qu'on retrouve sur la première page hein, de ton ouvrage, enfin, sur la couverture. Alors, Voilà. ça m'a fait rire parce que dernièrement, on m'a envoyé un message en me disant que c'était la Corse. Alors, est-ce qu'il y avait un lien entre la Corse et Rennes-le-Château? J'ai un ami qui est en Corse que je salue. Je sais pas. Et je pense qu'il nous regarde ce soir. Et non, c'est pas la Corse. C'est pas la Corse, c'est le glyphe, hein, tout simplement. Juste, je montre pour Audric et tous ceux qui sont comme Audric la quatrième de couverture, voilà. Peut-être C'est que le vous glyphe. verrez, vous, quelque chose que les autres ne verront pas. Voilà. Petit clin d'œil à tous les chercheurs. Voilà. Je Oui, repasse alors si on donc re... cette image à l'écran et tu veux, donc je vais repasser au poisson. Ouais, alors le poisson. Alors, ce glyphe, on a pensé que ça pouvait être une rune au début. Ouais. J'ai demandé à Elisabeth de Caligny, hein, qui n'est pas quand même n'importe qui, me dit non, je ne vois pas de rune qui pourrait ressembler. J'ai demandé à pas mal de personnes, on a cherché dans énormément d'alphabets, on n'a pas retrouvé ce signe. Alors, peut-être une signature de compagnon, peut-être, puisque c'est une pierre gravée, en sachant que l'église de Quillan a été faite avec des pierres. Ramené du château de Quillan qui avait été détruit par les flammes. Toujours est-il que on ne sait pas quel est ce symbole, peut-être une signature, peut-être pas, mais comment on le retrouve dans d'autres pièces, ça interroge. Puis, je discute avec une amie, elle me dit, mais est-ce que tu penses comme moi? Est-ce que tu vois pas qu'il a une forme de poisson, stylisé bien sûr? Et je lui dis, mais oui, et regarde bien.
l'abbé Boudet, ce qu'on a dit au tout début d'émission, l'abbé Boudet est né à Quillan. Il se fait Oui. baptiser à Quillan. Donc c'est sa vie chrétienne, sa vraie vie commence à Quillan, dans cette église. Il meurt, il n'est pas enterré à Rennes-les-Bains, il est enterré à Axat. Et sur sa pierre tombale, il y a ce livre de pierre avec le fameux Ikois, hein, qui veut dire, c'est un acronyme, hein, qui veut dire Jésus, fils de Dieu sauveur, qui fait 310-11 quand on le retourne et qui fait un lien avec son livre. Mais du coup, quand on réunit le Ikois, qui veut dire poisson, et le poisson stylisé de Quillan, on réunit, si tu veux, entre la naissance et la mort, donc deux actes de la vie chrétienne, hein, la naissance, l'acceptation du monde chrétien, et la fin, donc où tu finis auprès de Dieu, si on les réunit, on retrouvera l'explication et le dessin, si tu veux. On retrouve souvent le poisson et le ikois associés. Donc Oui. c'est peut-être aussi un moyen, par la pierre tombale, de ramener au glyphe, tu vois, par rapport à la vie même de Boudet. C'est Donc voilà, c'est dingue. un clin d'œil, C'est mais... là où c'est fou, ouais, mais il y a des clins d'œil, il y en a de partout. Moi, est très très pertinent. Donc, pour revenir à ce glyphe, et c'est là qui est la clé, à mon sens, il y a les jalons d'un côté. Alors, il y en a deux autres, hein, de jalons, qui sont connus en plus. Mais il y a les jalons d'un côté qui ne te permettent de ne rien faire, puisque exactement comme moi, hein, c'est-à-dire j'avais les jalons, on n'avait rien. Et d'un autre côté, tu as la clé, tu as ce glyphe. Le glyphe tout seul, tu fais rien. Les jalons tout seul, tu fais rien. Mais les deux réunis, tu commences déjà à avoir une carte qui se crée, puis tu as un croisement. Et ce croisement, il est dans les bergers d'Arcadie. Alors, il faut bien reprendre les choses dans l'ordre. Pour moi, clairement, les bergers d'Arcadie font partie de la chose. Puisque, ah ouais, alors attends, on va partir loin. On va rester sur les bergers d'Arcadie. On parlera peut-être de l'Académie d'Arcadie, mais là, les gens pourront le retrouver dans le bouquin. Les bergers d'Arcadie, c'est Nicolas Poussin. Alors, est-ce qu'on lui a commandé le tableau? C'est tout un truc. Bon, en tout cas, il y a un alignement à Rome qui fait penser à pas mal de choses, hein, puisque la tombe de Ouais. Poussin est alignée avec la place du Vatican. Vous verrez, il y a les photos, vous pourrez le vérifier vous-même. On revient sur le glyphe. Les bergers d'Arcadie te donnent, si tu veux, par rapport au glyphe, te donnent un codage, te donnent un lieu. Ce lieu, si tu y vas, il n'y a rien. Il y a quelque chose en particulier, mais je ne vais pas en parler, je ne vais pas me mettre tout le monde à dos. Mais ce lieu t'amène à rien. Et l'abbé Boudet, moi je suis convaincu que c'est l'abbé Boudet, en créant les deux fauteuils, le fauteuil du diable et le fauteuil du Christ, va réactualiser, si tu veux, le codage ancien, qui n'était pas très précis, va l'actualiser avec des jalons modernes qui vont permettre justement, en s'appuyant, et c'est démontré dans le bouquin, en s'appuyant sur le codage ancien, va permettre de légèrement décaler le croisement par une sorte de flèche, et on en revient à la dalle de Koumsourde, qui est un document primordial, va te permettre d'accéder à un endroit très précis, qui est la grotte, qu'on va La retrouver. Attends, grotte. montre pas les photos tout de suite. Je La montre pas, grotte, parce que... Non, j'ai non, 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 failli. non, Tu parce as que... bien fait, tu Non, as il vu que faut pas. j'allais cliquer, mais non. Tu vas arriver dans un secteur qui est le secteur de la grotte, qui est exactement... Les photos vont vous le démontrer, exactement ce qui est peint sous l'autel de Marie-Madeleine, à l'église de Rennes-le-Château. Et là, il est très important de le dire, cette grotte est connue des chercheurs, des gens du cru, depuis très longtemps. Elle a été fouillée il y a une trentaine d'années. Il reste encore énormément de choses, des traces de fouilles dans ce secteur. L'intérieur est bouché, donc n'y allez pas à la dynamite, ça va vous tomber dessus. Cet endroit est connu des chercheurs. Et tous les chercheurs, les anciens, hein, il y a même des anciens chercheurs qui se sont fait photographier dedans et qui te disent, je me suis mis dedans parce qu'il y avait une grotte et ça faisait bien de se mettre dedans. Mais s'ils se montrent dedans, c'est parce qu'ils savent bien qu'un jour d'autres jeunes vont la découvrir et diront, attention les petits, nous on l'avait avant vous. Tu vois? Il y a un jeu de dupes énorme à Ouais, Rennes-le-Château. les anciens, ils sont Les trop forts. anciens connaissent ce lieu. On ne va pas Est-ce casser que... le mythe. Non, non, parce Alors... qu'on les aura les étoiles après. Et ce qui est aussi important, c'est la quête, c'est pas tellement la finalité. Oui. Moi, cette grotte, Daniel Dugès, qui est un ami avec qui j'ai de très très belles relations, m'avait indiqué cette grotte au tout début, quand j'ai commencé le premier bouquin en 2016. Et il me dit, je lui avais envoyé, j'étais même pas parti dans l'idée de faire un livre. Je lui montre le premier codage que j'avais obtenu avec le fauteuil du Christ, le fauteuil du diable, hein, ce qu'on avait dit dans les premières émissions. Et je lui montre ce premier codage. Et il me dit, parce qu'il aurait pu ne rien me dire, et il me dit, tu vois ton codage,
si tu le prolonges, tu arrives à cette grotte, dès 2016. Et moi, j'étais tellement bloqué sur le rocher du serpent que j'ai pas écouté Daniel à ce moment-là. Et je suis parti faire tout ce périple. Et finalement, tant mieux, puisque j'ai fait tout le périple, j'ai tout remonté pour arriver au même endroit. Mais c'est pas ça qui est important. C'est d'avoir découvert le rocher du serpent, le tombeau symbolique des bergers d'Arcadie dessous, le rocher de la tête, comprendre pourquoi Boudel signifie par la tête sur son mur, comprendre comment fonctionne Rennes-le-Château et le domaine, comprendre comment marche la langue celtique, toujours de manière indépendante, hein, les pièces, hein, elles ne se croisent pas, hein, ça c'est la grande erreur de beaucoup de chercheurs, de croiser les pièces, et de comprendre comment les choses se sont mises en place. Et finalement, moi, c'est ça que je voulais, c'était comprendre. Et Daniel, avec qui je discute beaucoup, il est comme moi, il veut comprendre qui, quoi, comment. Ah oui, très avancé sur beaucoup de choses. Mais voilà. Donc, je le dis bien, cette grotte, tu peux la montrer maintenant. Alors, par Allez, je contre, monte. Alors, on fait nouveauté, le voyage avec toi. On la commence par nouveauté de cette Marie-Madeleine. grotte, la nouveauté de ce qu'on va montrer ce soir, c'est qu'elle n'a jamais été montrée par. Alors, peut-être que les anciens l'ont trouvée, mais n'ont jamais fait le rapprochement, et c'est ce qu'on va montrer ce Mais soir. on commence du tableau de Marie-Madeleine. On fait un petit bout de quête. Oui, alors, attends, c'est important de le dire. L'hôtel de Marie-Madeleine, dans la légende de Rennes-le-Château, mais c'est plus ou moins prouvé. On explique que quand Sonnière fait restaurer son église, c'est une vieille église romane, hein, complètement délabrée, il n'y a rien dedans. Et la première chose qui va être réparée dans cette église, c'est l'autel de la maison Mona qui aurait été payée par une riche donatrice. On ne sait pas qui, on ne sait pas trop qui, Madame Cavalier, je crois. Donc l'église, il faut imaginer que c'est une église vétuste, toute de pierre, et puis en plein milieu, on va te planter un autel tout neuf. Tu vois le truc un petit peu. Ouais. Et sur la peinture de l'autel, enfin, sous l'autel, il y a ce tableau de Marie-Madeleine en pleurs devant une grotte. Classique, hein, puisqu'on dit qu'elle pleure devant le tombeau de Jésus. Ben, il se trouve que cette grotte, c'est celle que j'ai retrouvée moi par le décodage, que Daniel m'avait indiqué, que les anciens chercheurs connaissent. Donc tu vois, voilà. Mais c'est très logique, parce que s'il y a un lieu à découvrir, quand tu dois le coder, ce lieu à découvrir, tu pars de la fin et tu montes ton codage petit à petit. Tu fais pas l'inverse. Tu comprends? Donc Ouais. c'était logique de commencer par le tableau et de ce tableau, on va construire le codage tout autour. Et Gérard de Sède, qui devait être très bien renseigné, nous dit que c'est l'abbé Saunière lui-même qui aurait modifié la peinture du tableau. Ça veut bien dire qu'à ce moment-là, il y a un truc à voir. Il le met dans l'ordre de Rennes. Donc il y a bien quelque chose à voir avec ce tableau. Donc la solution, elle est, et en plus, le cœur, l'autel de l'église, c'est la partie la plus sacrée d'une église. Parce que c'est là où on met les reliques, c'est là où il y a la commune. Enfin, Oh putain, je perds le mot. L'Eucharistie et tout ça. Voilà. Donc D'accord. c'est l'endroit le plus sacré dans une église. Et c'est là où on va mettre cette grotte, justement. Alors tu peux la montrer maintenant. Tu peux montrer à la suite. Alors là, je suis en train de montrer donc cette photo où on voit le parallèle que tu fais entre le tableau avec le lit du ruisseau, la grotte, le fauteuil et ce qu'on retrouve donc dans la nature, sur Ouais. place. Voilà. Voilà, donc il y a ce parallèle-là, j'en suis là, je vais passer à l'image d'après. Voilà, là, on va plus zoomer donc sur la grotte. L'entrée, ou Non, alors attends, ce t'es qui sur quelle photo? semble. Non, je Quelle photo? suis celle où Donne-moi il le y a numéro de la quatre photo. images. La photo 9. La photo 9. Ah non, alors ça, c'est le fauteuil, en fait, qui est en face de la grotte, qui est peint Ok. sur l'autel. Et quand tu superposes, Ah alors oui, bien parce qu'il y avait sûr. un petit souci avec ça. Est-ce que c'est vraiment le fauteuil ou pas? Donc en zoomant dessus, on voit bien que les rochers en Ah ouais, non, superposition c'est absolument la ressemblent. même chose. Et en plus, si tu reprends la photo 8, tu as exactement la même disposition des choses. Hein. Tu vois, j'ai remarqué Oui, fauteuil, grotte. Ah voilà, oui, mais celle-ci, c'était celle qu'on avait vue avant. Donc oui, tu as raison, excuse-moi. Donc C'est-à-dire que la là. disposition est exactement la même. Alors moi, je veux bien, on va dire, ah mais ça ressemble. Ah ouais, mais au bout d'un moment, tout ressemble. On a quand même le fauteuil, on a la grotte, on a le lit du ruisseau, on a vraiment la même disposition. Et quand tu zoomes sur ce fauteuil par rapport à la peinture et que tu fais un fondu, après voilà, les mecs, à l'époque, ils n'avaient pas ces programmes pour. Ils ont été sur les lieux, ils ont croqué la chose et ils l'ont repeinte ou ils l'ont peut-être repeinte sur place. Toujours est-il que c'est la même chose. Et quand tu compares, est-ce que tu as montré les quatre photos de la photo 7? Ah oui, bien sûr. Oui, dès le Voilà. début. Je Et repasse ouais, dès le dessus. début. Et là, on a tout le découpage en fait de la grotte. Voilà. Et donc on va aller sur la photo 10. Donc hop, je passe les Alors unes après les autres. la photo 10, elle est chouette parce que c'est Daniel justement qui m'a donné cette photo. Que je publie dans le bouquin, donc c'est pour bien expliquer que bah, avant,
Il y a des précurseurs, voilà, c'est pour dire qu'il y a des personnes qui y ont été avant. Et c'est amusant parce que son ami est assis dans le fauteuil juste en face. C'est dingue. Et là, on est dans la grotte. On est dans la grotte. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, il n'y a rien, il y a un éboulement, donc il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, c'est compliqué quand tu arrives, en sachant qu'il y a une autre grotte juste en face. Hein. Mais pareil, hein, Ouais. elle a été bouchée par. Alors non, hein, elle n'a pas été bouchée par du béton romain. Hein, elle a vraiment été rebouchée avec du béton normal. Il y a toute une anecdote là-dessus qu'on m'a racontée. C'est un chercheur qui avait trouvé aussi cette grotte et il avait fait poser, il avait mis du béton et il avait posé une fenêtre en acier avec une clé. Et tous les week-ends, il payait quelqu'un pour que la personne creuse pour lui. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Il avait trouvé sa grotte, il l'avait murée, il avait sa clé et il faisait creuser quelqu'un. Alors là, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'il y avait au fond de ce tunnel? Eh bien, il y en a qui doivent le savoir. Il n'y avait peut-être plus rien, il y avait peut-être quelque chose. Mais ça, il n'y a que les anciens qui peuvent te le dire. Et eux, ils te diront, non, il n'y a rien, Reine le Château, il n'y a rien, Reine le Château. Vous tournez en rond, les mecs, vous ne connaissez pas vous connaissez pas l'histoire. Mais alors, à eux de la raconter, du coup. Ils en savent, non, mais voilà. C'est un jeu de dupes, c'est assez amusant. Non, mais toujours C'est est-il quand que même cette. beau ce fauteuil en face de Ah, l'entrée, mais hein. c'est génial. Mais peut-être qu'elle avait un autre rôle. Parce que moi, je reste quand même encore persuadé, et alors, on fera la parenthèse après, enfin, peut-être on peut la faire maintenant. Reine le Château, il faut comprendre une chose. Quand on dit Reine le Château, c'est l'histoire globale, hein, ça comporte aussi Reine les Bains. L'affaire de Reine le Château. Reine le Château, il y a une histoire. Alors ça, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Reine le Château, c'est une église classique, dans un style sulpicien, complètement classique. Mais c'est aussi un temple pour les hauts grades maçonniques. Il y a plein qui vont bondir. Je pense que Daniel Dugès l'a largement prouvé. Donc, il l'a encore prouvé avec une vidéo. Ah, vous mettez Daniel Dugès, puis vous tapez Grotte, Reine le Château. Vous verrez, il a fait une vidéo avec un exposé qui est sensationnel, qui est inattaquable. Encore une fois, c'est inattaquable. Donc, comme c'est inattaquable, c'est ignoré. Tu vois, c'est plus simple comme ça. Mais là, ce soir, on en parle, donc je pense que les gens iront voir. Et puis, il y a la carte. Voilà. Reine le Château a une triple fonction. Une fonction classique, une fonction maçonnique. Et une fonction cartographique. Voilà. Alors, moi, ce que je pense, ça peut être aussi une des solutions. Peut-être que toute cette histoire, c'est un périple qui était donné. En fait, cette histoire de Reine le Château, elle ne nous était pas destinée, je ne pense pas. Parce que l'histoire du glyphe, l'histoire des jalons, peut-être que des initiés, ou des jeunes personnes qui devaient être initiées, peut-être qu'on leur donnait justement la clé. Et puis, si vous arrivez à retrouver les jalons par rapport aux différentes choses, une sorte de jeu de piste, un escape game, si tu veux, c'est ce que je mets à l'arrière Mais du oui, bouquin, une sorte c'est d'escape bon ça. game à l'ère ancienne, si tu veux. En gros, Ouais. tu donnes à des futurs initiés, tu leur donnes la clé, tu leur donnes ça. Et s'ils y arrivent, eh ben, peut-être qu'ils pourront être initiés, et peut-être dans cette grotte. Mais il y a peut-être autre chose aussi. Parce qu'il y a quelque chose d'autre. Il ne peut pas y avoir que ça. Mais cette histoire peut-être d'escape game, moi, elle me plaît aussi. C'est peut-être aussi pour ça Oui. qu'on trouve rien. Parce qu'en fait, c'était juste une quête, un parcours. C'est le parcours, en fait, qui compte. Alors, juste la petite parenthèse pour l'histoire de Reine le Château sur sa version maçonnique. En fait, ce n'est pas des francs-maçons à proprement parler. Ça aurait été une société secrète monarchiste au fin 19e qui aurait utilisé un rituel des hauts grades. Sûrement un rite français ancien, si tu veux. Et tous les éléments et ça, il n'y a que Daniel Dugès qui pourrait vous l'expliquer aussi bien. En tout cas, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que tous les éléments des hauts grades dans ce rite particulier se retrouvent à Rennes-le-Château. Voilà. C'est inattaquable. Il y aura toujours quelqu'un qui dira, non, c'est pas vrai, c'est avec l'accent, c'est pas vrai, c'est vrai. Mais si, c'est là. Et ils le savent en plus. Et ceux qui sont francs-maçons, c'est bon. Hein. Ils le voient, mais ils ne vont pas l'accepter. Tant pis. Bah, s'ils ne veulent pas l'accepter, qu'ils en prouvent le contraire. Tu vois, c'est toujours un peu pareil. Donc, cette histoire de grotte. Aujourd'hui, ben non, on ne peut pas aller plus loin là-dedans, malheureusement. Mais si on nous l'indique, c'est qu'il y a eu quelque chose. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir, je sais pas, un message gravé à l'intérieur, comme quand tu finis une course de natation et qu'à la fin, tu as tous les poinçons, ou... Non, tu vois? l'idée, ça serait de penser, et moi j'y crois très très fort, qu'en fait c'était un passage qui permettait d'arriver un peu plus loin. Parce qu'après, il y a le Cardou hein, qui est pas loin. Mais il faut savoir que tout près. Il y a les ruines de Montferrand, enfin il y a le village de Montferrand, et il y a les ruines de l'ancien château de Montferrand. Et il y a des failles, hein. Quand tu prends les cartes géologiques, il y a des failles. Donc est-ce qu'il y aurait pas, est-ce que c'était peut-être pas un des passages qui permettait d'accéder
à ce que tout le monde recherche finalement, le temple rond, le fameux temple ancien romain. Voilà. Il y a quelque chose. Mais du coup, l'entrée, elle est bouchée, là, pour le coup. Ouais. Alors, Bon, alors. L'histoire, elle s'arrête pas là. Et non. On a un petit scoop pour Nuria. Ouais. C'est ça. Petit cadeau de Rudy pour Nuria. Alors. C'est pas cadeau de Rudy, c'est-à-dire que cette histoire de scoop. Bah là, c'est, ce soir, c'est pas là, un tout de scoop. suite. Parce que, en fait, les gens réfléchissent pas comme il faut. Moi, j'en suis convaincu. Mais on est tous pareils, on veut croire au trésor. Et si tu reprends la genèse du trésor, c'est l'abbé Saunière qui a beaucoup d'argent, machin, l'abbé Boudet. Je sais pas s'il a vraiment été très riche, on n'a pas d'archives sur lui, donc on connaît pas l'abbé Ouais. Boudet. Mais tout le monde dit le trésor, le trésor, le trésor. Ok. Mais en fait, il faut te dire une chose, c'est que si ça a été codé, c'est-à-dire que les gens qui ont codé savaient où était l'endroit. T'es toujours d'accord? Oui. Quel est l'intérêt? Et ça, c'est une phrase qui revient souvent, on se la pose rarement. Quel est l'intérêt de coder quelque chose de très précieux et finalement de le laisser sur place? C'est-à-dire que n'importe qui pourrait décoder pourrait se saisir de ce quelque chose, à Oui. condition que ça ne soit pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un groupe d'initiés qui se passerait le secret avec des histoires de clés, de codes, de machin. Alors ça fait toujours bondir quand on parle des sociétés secrètes, mais là on est sur une possibilité logique, c'est-à-dire voilà, personne ne pourra trouver s'ils n'ont pas les éléments. Mais après, et c'est ce que j'explique dans le livre, l'abbé Boudet a retrouvé le lieu. Et ce qu'il a pu trouver, parce qu'il a très bien pu retrouver le lieu, murer le lieu, s'en aller avec une partie de ce qu'il y avait à cacher. Oui. Moi, je reste quand même convaincu par rapport à la piste de Rome, hein, parce que bon, les gens liront dans le bouquin, parce qu'on a parlé de Rome, on a vite quitté Rome, pourquoi il y aurait tout ça à Rome? Je pense qu'une grande partie de ce qu'il y a eu dans le Razès a dû retourner à Rome. Alors ça paraît hérétique, notamment au Vatican, ça paraît hérétique, mais c'est des hommes d'église. C'est vrai. Un homme d'église, il répond pas, il n'est pas républicain par principe, en tout cas à l'époque, il répond du Vatican. Donc si quelque chose a été retrouvé, c'est normal de le rendre au Saint-Siège. La légende de Marie-Madeleine dans le Razès, qui peut être possible, moi j'ai pas travaillé dessus, peut-être que Marie-Madeleine est retournée au Vatican. Ou du moins les reliques, tu vois. Ça, hein. J'ai pas les clés du Vatican, je peux pas vous le dire. Mais toujours est-il, On extrapole. on extrapole, mais c'est possible. L'abbé Boudet a forcément, s'il n'aurait pas fait tout ça, il a forcément eu quelque chose et il l'a forcément mis quelque part. Et là, on en Est-ce que je vient. peux partager la photo 11? Avant une petite chose, ça, c'est quand tu as une réflexion logique. Mais moi, je bloque à ce moment-là. Et il se trouve que, alors, ça va faire bondir beaucoup de gens, mais sur Nuria, je sais qu'on peut en parler. Mon ami Vivien Perrin, qui fait partie, enfin, qui a créé le RPI, qui est une sorte de chasseur de fantômes, mais un peu dans le debunking. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y croit pas. C'est pas qu'il croit à tout, mais il veut prouver et il veut chercher par lui-même. Et il fait l'écriture automatique. Vivien, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'histoire de Rennes-le-Château. Donc c'est génial, il ne connaît rien. Donc s'il a quelque chose, il ne peut pas. Moi, je lui fais confiance, hein, après. Mais il lit pas de livres, alors je vois pas comment il peut connaître vraiment le fond des trucs. Après, il y a les reportages sur YouTube. Bon, pourquoi pas. Et Vivien ne croit pas à l'écriture automatique. Et pourtant, il en fait. Donc c'est génial. Et Vivien, c'est quelqu'un qui était avec qui je suis toujours en très fort lien, c'est vraiment un ami. Vivien, c'est quelqu'un qui se pose dans le cimetière de Rennes-les-Bains et qui fait de l'écriture automatique. Et il y a plein de choses qui sortent. Il va au fauteuil du diable, il fait de l'écriture automatique. Il va sous le rocher du serpent, il fait de l'écriture automatique. J'ai une magnifique photo, il est à côté du rocher de la tête. Et il se trouve qu'il y a comme une sorte de siège dans l'arbre. Tu sais, on dirait un druide, tu sais, le bonhomme. Il est là, il fait l'écriture automatique. Et il y a plein de choses qui sortent. Et il regroupe tout ça et il nous lit. Et il dit, il faut chercher la ligne du Boudet, il faut chercher la ligne du Boudet, dans ma crypte. Et ça revient, il y a plein de choses comme ça, des éléments qui reviennent. Et des choses, Vivien, tu connais tout ça? Il dit, non, non, mais moi je connais rien, lisez, machin. Il dit, ça me parle de ça, ça me parle de ça, putain. Et je dis, ah ouais, allons voir, ouais, allons voir. Et on a eu cette chance de pouvoir rentrer dans l'église de Rennes-les-Bains. Et là, tu peux montrer les photos. Parce que ça, c'est pas dans le livre, la partie écriture automatique, comment ça s'est passé? Non, j'en parle pas, j'aurais dû. C'est l'erreur, mais je pense qu'avec avec cette émission, Voilà, c'est il y dit. a suffisamment d'audience. Je veux dire, on peut. J'en ai pas parlé parce que j'ai eu un peu la trouille. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, si tu parles de ça, tu vas te décrédibiliser. En fait, je m'en fous. Enfin, à l'époque, je m'en foutais pas.
Et Si tu aujourd'hui, je m'en fous. savais à quel point certains chercheurs très carrés, très les pieds sur terre, utilisent aussi toutes les méthodes qu'ils peuvent pour avoir des Non, mais réponses. Donc à un moment donné, c'est là. aussi un jeu. Je veux dire, il faut pas se prendre au sérieux plus que ça dans cette affaire. Vivre cette affaire, c'est génial. Après, voilà, il y a les bons et les mauvais côtés. Mais à un moment donné, tu essayes tout. Vivien, tu peux que lui faire confiance. Il me dit, je vais tenter l'écriture automatique. Alors après, bah, tente, bah, vas-y, on le fait. Et puis ça nous donne ça. Ça nous parle de la crypte. Et on est parti enquêter dans l'église, Voilà, autour et de je l'église, partage pour donc voir la s'il y photo avait quelque 11. chose. Voilà, elle est à côté de toi là. Est-ce que tu peux nous l'expliquer là, le sol de l'église, Alors, la tête, qu'est-ce que c'est? là, on est sur la 11. Alors là, c'est tout simple. Bah, la partie où on voit les chaises, ça, c'est la cour du presbytère de l'abbé Boudet. Aujourd'hui, c'est la bibliothèque, mais c'était l'ancien presbytère de Boudet. Là où il y a le rond blanc, c'est là où la tête qu'on a vue au tout début était placée. Elle regarde au niveau du sol. Et Oui. on voit qu'il y a un décalage, parce qu'on a tout étudié, il y a un décalage entre le niveau de l'église, enfin, l'église est plus haute par rapport au niveau du sol. Il y a plein de niveaux de sol, si tu veux, comme ça. Donc là, on commence à se poser des questions. Là, est-ce que tu es sur la 12? Alors, je vais passer sur la 12. Voilà, Alors, j'y sur la suis. 12, juste devant le chœur de l'église de Rennes-les-Bains, on a un affaissement du sol. Tu vois? On le Alors, voit c'est avec nul. les dalles au sol, les petits le carrelage, Ouais, comment on appelle ça tout à déjà? fait. Les Oui, bah, sur le tomettes. dallage. Ouais, et en fait, il y a un affaissement du sol. Alors, c'est tout simple. Hein, s'il y a un affaissement, c'est que c'est vide dessous. Hein. Tu t'affaisses pas dans la matière. Hein, Ouais. c'est qu'il y a un vide dessous. Après, c'est logique. Les églises ont pratiquement toutes des cryptes. Et celle-ci est particulière parce que l'église de Rennes-les-Bains, elle est un petit peu surélevée. Et on pense. Et moi, j'avais vu avec un architecte des bâtiments de France, m'avait dit, mais c'est. De toute façon, et j'en avais parlé avec Charlie Sanson, on m'avait dit c'est très possible. Et c'est même ça, comme Rennes-les-Bains a un passé romain, puisque il y a des sources thermales, il y avait des Romains, c'est sans doute un ancien temple romain qui aurait été réutilisé pour faire une église. Donc, sous l'église de Rennes-les-Bains, il y aurait sans doute toute une structure de temple romain. Tu comprends? Et l'abbé Boudet, à la fin de son bouquin, nous parle du temple, enfin, nous parle d'un ancien temple transformé en église. C'est rigolo parce qu'il le met à la fin de son bouquin. Et si on prend le bouquin à l'envers, puisque dans les messages, on a eu ça, prenez le bouquin à l'envers. Et sauf que tu prends le bouquin à l'envers, dès la première page, donc la dernière, mais tu retournes, tu as la solution. Le temple païen transformé en église. Il se trouve qu'en 1800. Alors, on avait parlé au tout, tout début, mais les gens pourront retrouver, en 1897, l'abbé Sonnière a fini la restauration de son église. En 1898, à Rennes-les-Bains, l'abbé Boudet fait restaurer son église, tu vois, à un an près. Ça, on l'a retrouvé dans les documents de la CESA. Donc ça, c'est des documents authentiques, c'est vérifiable. Et il se trouve qu'à un moment donné, je me dis, on va passer par la bibliothèque, parce que comme on avait la possibilité aussi de visiter la bibliothèque, j'ai dit, on va aller voir par en dessous, essayer de voir s'il y a un mur mitoyen entre l'église de Boudet et le presbytère. On va là-dedans, et il y a un tout petit réduit tout humide. On ouvre le petit réduit, on regarde, c'est la toute petite pièce. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le mur, il a été rebouché. On le voit sur les photos. Donc le mur entre l'église de Rennes-les-Bains et le presbytère est rebouché. Qu'est-ce que ça veut dire, Nora? Ça veut Ça dire veut dire. clairement qu'à un moment donné, on a fait des travaux et on a rebouché quelque chose. Exactement. Et alors, il y a des bruits autour de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, d'une crypte à Rennes-les-Bains, mais ça n'a jamais été publié, ça n'a jamais été montré. Aujourd'hui, moi je dis attention. Aujourd'hui, on pointe clairement le doigt sur la crypte de Rennes-les-Bains. Si Boudet a caché quelque chose, il l'a caché. C'est logique. Il avait tout loisir de percer le mur depuis son presbytère sans que ça se voie. Et en tant que curé, il avait tout loisir de cacher quelque chose dessous. Alors, on va me faire une objection. On va me dire, l'eau de la Salse, il y a souvent des inondations là-bas et c'est vrai. Il y a souvent des crues. Sauf que les travaux, je t'ai dit, ils sont de 1898. Et il y a une crue en 1891. Donc l'abbé Boudet était déjà en place. Il savait que l'eau montait. Il avait vu ce que pouvait donner une crue ravageuse. Donc si il a été mettre quelque chose dans son église, sous l'église, dans la crypte, il l'a mis en totale sécurité. C'est-à-dire, à mon avis, il a pris les dispositions nécessaires pour que la chose soit relativement protégée de manière hermétique. Moi, je partirais sur les reliques. Une partie des reliques sont sous l'église de Rennes-les-Bains. Tu vois, je fais La le lapsus. confusion.
Ouais. Les écrits. Alors, on prend les paris. Les écritures de Vivien nous parlent de textes entourés d'une toile noire. C'est les écritures. Voilà. Donc, moi, je vous dis. Et alors, en ce moment, il y a tout un. Tu sais, il y a pas mal de gens autour de Rennes-le-Château qui commencent à dire qu'ils ont trouvé un accès pour aller dans la crypte de Rennes-les-Bains, tu sais. Donc, voilà, je suis content qu'on en parle ce soir parce que c'est montré, c'est acté. Et il y a réellement une. Donc, qui est une crypte, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dedans? Voilà. Donc, le Oh, mystère, le il est là. mystère Et continue. le mystère, il continue. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose, c'est là qu'il est. Est-ce Voilà. que tu en es où, toi, ton bilan de cette histoire? Sur le plan humain, c'est des super rencontres, c'est des super échanges. C'est dur parce qu'il y a, il y a eu des moments qui n'ont pas été simples avec certains. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est super excitant de découvrir des choses, de comprendre les choses. Ce qui est génial, c'est de les partager aussi, comme ce soir, ou même avec les gens avec qui je dialogue. Ce qui est un peu plus pénible, c'est, bon, bah, des fois, tu as des gens qui disent, ah, tu es le Messie, tu as trouvé ça, c'est fatigant, parce que tu n'as pas envie de vexer les gens, mais d'un côté, non, faut pas prendre les gens pour ce qu'ils sont pas. Hein. Je veux dire, voilà, j'ai fait un travail, j'ai fait que remettre à jour des choses qui ont été faites par des codeurs, en fait. Tout simplement. Et surtout que tu as tout publié, tu as tout montré, tu as tout expliqué. Comme Alors, vous avez voilà, pu le voir moi. ce soir, et j'ai vu déjà des commentaires, beaucoup de personnes te remercier pour cette transparence là de ce soir, de partager comme C'est-à-dire que ça. quelqu'un qui aura lu les trois bouquins, ou même le dernier, en saura autant que j'en sais. J'ai rien gardé, tu vois. Après, peut-être des petits Sauf voilà machins, la mais je veux partie dire. écriture automatique où quelqu'un avait dit bah, ce serait bien qu'il refasse un autre bouquin avec toute l'écriture automatique. Voilà. Ouais, On alors t'a donné c'est du assez boulot. compliqué parce que. Non, c'est assez compliqué. On avait Vivien et Émilie, je crois, les avaient remis en PDF. Le problème, c'est que c'est un petit peu incohérent. Enfin, alors, Ouais. tu sais jamais si tu tombes sur vraiment la bonne personne ou si tu tombes sur une entité du bas astral ou quelqu'un qui joue. Toujours est-il que cette écriture nous a quand même mis sur la piste de la crypte, hein, quand même. Donc, Ouais. en plus, c'est idiot parce que cette crypte, de manière logique, si tu étudies ne serait-ce que le bâtiment, tu vois qu'il est surélevé, tu vois tout ça. Tu peux que y penser, mais le Mais en fait, c'est le fait, il n'y a pas trou. pensé. Ouais. Bah, tu sais, Et grâce c'est. à l'écriture automatique, donc au final, même cette information, grâce à l'écriture automatique, est dans le bouquin pour le coup, là, sur la Ah crypte. oui. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, il faut penser à ça. C'était des hommes d'église. Ils ont codé. L'abbé Boudet, l'abbé Saunière. Moi, je ne crois pas que l'abbé Saunière soit vraiment impliqué dans cette affaire, parce que finalement, on en a très peu parlé de l'abbé Saunière ce soir. C'est des hommes d'église. Regarde à la Sainte-Baume. On dit que Marie-Madeleine était dans la grotte de la Sainte-Baume. La grotte de la Sainte-Baume, elle est sacrée. T'es d'accord? La grotte de Rennes-les-Bains, il n'y a peut-être plus rien. Mais elle a toujours ce caractère sacré. Si elle a eu quelque chose dedans de très sacré. Et pour moi, je pense que c'est ça qu'ils veulent nous montrer. Ils nous la montrent parce que pour eux, elle relevait d'une importance capitale. Après, est-ce que des fouilles permettraient d'accéder plus loin et d'aller plus loin? Ça, je ne peux pas vous le dire. Après, là, voilà. Mais C'est ce qui est génial, une. c'est le cheminement qui permet d'y accéder. C'est toute le codage ancien actualisé par Boudet grâce aux deux fauteuils et qui fonctionne grâce à la dalle de Koum-Sourde. Et c'est là où je te dis, une hypothèse qui me plaît bien, c'est que cette dalle de Koum-Sourde était sans doute, avec le glyphe, deux documents qu'on devait transmettre. Puisque la dalle de Oui. Koum-Sourde, je l'avais prouvée dans le 1, elle te donne 1292, et c'est la distance en mètres entre les deux fauteuils. Et c'est ce Exactement. qui va permettre de la placer sur le terrain. Il y a tout un truc, mais c'est. Voilà, je tombe sur une page par exemple avec un autre décodage sur les quatre Ah oui, arcs alors ça c'est aussi un avec peu les A fabuleux, c'est-à-dire. retournés. Tout Oui, est alors, faire. incroyable, magique. Enfin, ils se sont amusés comme des gosses, quoi. Si c'est Alors, ce qui est un très, jeu de très, quête ce qui est là, très joli, waouh! je vais juste venir là-dessus parce que je voulais conclure là aussi un peu avec ça, c'est que les Ouais. documents de l'ordre de Rennes, moi je vous le garantis, sont authentiques. Point barre. Le truc, c'est Tu qu'il y a montres un la, petit il y peu a la vite fait dalle. à Alors, l'écran. Hop, voilà. ouais. Tu montres un petit peu. Voilà, vite fait. Mais Oui, il la faut vraiment fameuse. en prendre le temps de le lire, de le voir pour voir ton développement, les recherches et tout ce que ça signifie. Tout ce que c'est. Alors, Il y juste a pour faire qu'on décodage de aura, si partout. tu. Si tu prends la dalle Célis Arkis, enfin la fameuse dalle Célis Arkis Redis Vélis, elle est dans l'ordre de Rennes et tout le monde pense qu'elle est bidonnée.
Et il se trouve qu'un décodage permet de pointer trois châteaux. Il y a le château d'Arc, le château de Cuisa et le château de Rennes-le-Château. T'es d'accord? Tu prends ces trois châteaux, tu prends les tours nord des châteaux. Voilà. Ah, je et si partage vous juste l'image. Alors, je ne sais pas si les gens voient bien. Et si vous tracez les axes à partir des trois châteaux, vous allez croiser à un point qui est pratiquement à l'endroit du rocher du serpent et du tombeau des bergers. Symbolique. Et qu'est-ce qui est écrit sur cette dalle? Et in Arcadia ego. Et on retrouve le même endroit. Ça, c'est typiquement les preuves, mais c'est inattaquable. C'est carrément les preuves. Vous prenez les châteaux, vous tracez les lignes, vous arrivez à cet endroit, les lieux existent. Moi, j'en parle avec passion parce que je me dis, mais ouvrez, là, c'est bon, là, les choses, elles sont là. Et cette dalle est dans l'ordre de Rennes. Comment Plantard aurait pu lui-même modifier l'orientation des châteaux? C'est pas possible. Ça prouve bien que Plantard, à un moment donné, a eu accès à des documents authentiques qu'il a glissés dans son bouquin. Et moi, je tirerais même encore plus loin. Je pense même que Plantard, depuis le début, connaissait l'existence de la grotte, connaissait l'existence des décodages. Parce que s'il avait tous les documents, à mon avis, il avait les emplacements. Ils ont été sur place, ils ont dit, il y a une grotte, on ne peut rien faire. Est-ce qu'il savait pour l'église de Rennes-les-Bains? Et moi, je te dirais que oui. Pourquoi? Parce que dans les documents de Plantard, il va dessiner une carte du tarot avec le pape. Et le pape, c'est qui? C'est l'évêque de Rome. Et le pape a comme décor dans le fond l'église de Rennes-les-Bains, pile poil à l'endroit où il y aurait la crypte. Et qu'est-ce qu'il te dit par là? Il te dit, il y a plein de choses, toute une symbolique, c'est dans le bouquin. Il te dit, voilà, ce qui était à Rennes-les-Bains a été ramené à Rome. Et il reste peut-être quelque chose, et c'est derrière moi. Et ça, c'est typiquement Plantard. À mon avis, Plantard, il savait tout depuis le début. Et comme il savait tout depuis le début que ça ne pouvait pas être dans la campagne, mais sous l'église de Rennes-les-Bains, il a dit, moi, je peux monter l'affaire que je veux. Personne ne pourra jamais me démentir. Tu sais, c'est l'histoire de la théière qui tourne autour de Pluton. Personne ne peut dire que c'est vrai, mais personne ne peut dire que ce n'est pas vrai. Et il a joué avec ça. Et il a pu monter son mythe en sachant qu'il ne sera jamais démasqué. On pourra l'attaquer en disant, oui, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Mais t'inquiète pas, à mon avis, ils en savaient beaucoup, 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 beaucoup. Et ils ont joué avec ça. Et ils ont pu faire l'ordre de Rennes. Tu comprends? Puisque, ouais. Et je conclue là-dessus, on parle de l'ordre de Rennes. Mais laquelle? Rennes-les-Bains ou Rennes-le-Château? Parce qu'il ne le dit pas. Et pourquoi dans l'ordre de Rennes, il va consacrer un passage entier sur l'abbé Boudet? Et il va même, dans la première édition de l'ordre de Rennes, pas dans les rééditions, mais dans la première, et ça a été pilonné après, puisqu'ils ont changé, on a un plan de Rennes-les-Bains avec l'église, le cimetière et tout, qui n'est pas du tout le bon. Et quand tu relis les points qui t'indiquent, tu retrouves le glyphe de Quillan. Et tout ça, voilà, c'est ce qui est expliqué dans le 3. Il y a tout le cheminement. J'ai bien découpé le truc de manière à ce que ça soit clair. Et on retrouve de la BD, en fait, on va retrouver nos protagonistes qui vont expliquer un peu les choses. Voilà. J'ai essayé de faire la chose la plus claire possible parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. C'est le cas, justement, en te lisant. Franchement, c'est pas compliqué. Au contraire, je sais pas comment tu as réussi à faire ça, mais il y a cette passion aussi qu'on voit au travers de l'ouvrage. Un petit coup de pub parce que j'ai deux livres que j'aimerais vraiment citer parce que Rennes-le-Château, il y a 600 bouquins, mais il y en a 10 qui sont bons en fait, si tu veux. Il y a le premier, donc Daniel Dugès, le chapitre maçonnique. Donc ça, c'est à lire, c'est le bouquin. Alors bien sûr, c'est un peu technique parce que c'est un peu sur la franc-maçonnerie, mais en tout cas, c'est du béton puisque voilà. Moi, j'adore ce bouquin. Souvent, je le refeuillette. Il y a plein de choses dedans. Daniel a une écriture c'est un plaisir à lire. Tu sais, t'as des bouquins qui sont des fois très... Oui. Je sais pas, c'est très universitaire. Ouais, on dirait des mémoires, tu sais, mais c'est pas drôle à lire. Daniel, en plus, il fait des romans. Donc, je vous conseille aussi d'aller voir ses romans. Parfait. Ah ouais, il fait des romans sur fond de mystère, de code, de machin. C'est pas gentil de dire ça, de code et de lieux qui existent réellement. Parce que voilà, il a fait du Rennes-le-Château, mais il est parti aussi sur d'autres lieux qui existent. Lisez ses romans, moi je suis fan. Hein. En tout cas, moi je les ai tous et je les lis avec plaisir. Donc on le voit bien, voilà, oui. Rennes-le-Château, le chapitre maçonnique. Et ça, c'est le livre de mon amie Annick qui m'a aidé pour finir donc le tome 3. Elle a corrigé, elle a remis un peu les formes et tout. Et comme quoi, il me fallait vraiment une femme pour vraiment faire un livre tip-top. Et elle, c'est son livre-là. Moi j'ai fait la préface, c'est un super bouquin qui est hyper rafraîchissant. Et c'est toute une analyse. Alors, ça s'appelle Rennes-le-Château, il savait. Est-ce qu'on le voit bien? C'est bon? Parfait, ouais. Il y a tout un décodage avec les tarots.
Et c'est tout un décodage sur, finalement, le message de Reine le Château. Alors, elle est sur Reine le Château avec toute l'histoire entre le couple Marie-Madeleine et Jésus. Et ça, moi, je pense. Alors, c'est sa thèse à elle. Moi, je suis resté sur les décodages. Moi, je reste sur du terrain. On peut lire les miens et on peut lire le sien en complément. Tu vois ce que je veux dire? Ça se marie super bien. Et c'est un livre qui te met de bonne humeur. En plus, c'est ça, Ok, c'est royal. c'est du Reine le Château, mais c'est du Reine le Château de bonne humeur. C'est pas du Reine le Château plombant. C'est en plus pareil, hein, elle a mis plein de photos. Ah oui. C'est ma grande sœur, on va dire. Voilà. Ouais, les mêmes vibes, la même fréquence, la même façon de faire. Corinne qui te dit, en fait, c'est un vrai jeu de piste et j'ai envie d'y aller. Tu aurais un conseil pour Alors, Corinne? il y a Est-ce un qu'on peut gros reprendre nous problème, aussi attention. de J'ai un qu'est-ce qui gros s'est problème. passé depuis? Reine le Château, alors voilà, il y a les élections municipales. Je ne veux pas faire trop de trucs, parce que je ne veux pas être trop dans la diffamation ou dans certaines choses. Il se trouve que nous avons à Reine le Château, nous avons. Parce que oui, Reine le Château appartient à ceux qui l'aiment, hein, de toute façon. Hein, faut pas. Donc on est tous un peu des enfants de Reine le Château. On est hyper attachés au lieu. Et on a un maire bâtisseur, voilà, qui a décidé de laisser son empreinte. Et il a eu besoin de restaurer. Non, c'est impropre de restaurer. Paul Sauzet me taperait sur les doigts. Il n'a pas restauré. C'est-à-dire qu'il a fait péter tout le jardin, et notamment un des murets qui servait à matérialiser l'axe de Trévi à Rennes-le-Château. Puisqu'il se trouve que Rennes-le-Château, c'est aussi une carte de Rome, mais là-bas. Vous verrez dans le bouquin. Il a fait péter le mur pour le refaire. Très intelligent. Toujours est-il, le mur, il était là. Ah non, on le pète, on le refait. Et tout le jardin, tu sais, il y a toute une symbolique dans le jardin. Il y a les petits murets, il y a toute une, Oui. il y a tout un dessin qui était fait. Il a fait péter tous les murs. Toutes les pierres pour remplacer ça par des parpaings et de la brique rouge qu'on met dessus. C'est-à-dire qu'à, et ils ont fait couper, il y avait un immense arbre qui était devant l'église de Rennes-le-Château, qui avait été planté à l'époque de Sonia, un cèdre. Il a été coupé, donc il n'y a plus cet arbre qui donnait un côté bucolique. On a fait péter les pierres anciennes pour mettre des parpaings et de la brique rouge, donc on n'a plus du tout les pierres d'origine. Dans la cour du presbytère, on avait encore la petite cour où il y avait les poules, où Marie d'Esnarneau avait son poulailler. Ça, il n'y a plus, il y a une énorme verrière avec une boutique dedans. Le belvédère de la Bessonnière, qui était magnifique, enfin qui est toujours magnifique, mais au lieu de garder les pierres d'origine, on a mis du Leroy Merlin Ça partout, fait on a mal mis au de la brique cœur. Ça fait mal au cœur. rouge. D'accord qu'on mette des rampes pour les handicapés, mais merci, mais heureusement qu'il faut le faire, parce que ça serait trop dommage qu'une personne handicapée ne puisse pas profiter du domaine. C'est normal de le faire, et ça, personne ne dira jamais rien. Mais faire ça et bétonner à droite, à gauche, ils ont tout bétonné à Rennes en ce moment. Là, tout le monde est fou, furieux de ce qui est en train de se passer à Rennes-le-Château. Alors à la fin, tu sais, ça sera une fois qu'il y aura les fleurs, que tout sera refait, tout le monde dira, ah oui, c'est joli, tu n'auras plus une pierre authentique, tu n'auras plus une pierre ancienne, ils ont mis que du neuf à la place. Rennes-le-Château est en train de perdre son âme de plus en plus, et à mon avis, il va pas rester grand-chose. De toute façon, c'est Oui, pas on grave, c'est pourra game plus over. suivre. Là, après, heureusement qu'il y a eu C'est très justement triste. les chercheurs, les personnes qui sont allées sur place. Alors, Corinne, il y a peut-être des choses que tu ne pourras plus vérifier sur place. D'autant Ah bah plus qu'il y clairement. avait eu aussi une statue, la statue du diable qui avait été abîmée Alors la tête du à diable avait Rennes. La tête, sauté, ouais. le bas-relief de Marie-Madeleine, bah, là on voit la grotte a sauté, il y a eu un coup de marteau dans le visage de la sainte, donc il a été refait. Mais ne, donc après, bah, automatiquement, quand tu remoules, tu refais quelque chose, tu es obligé de tout repeindre hein, pour faire les jointures. Donc même la grotte et tout a été, à mon avis, retouchée. Donc même les peintures aujourd'hui sont plus tellement authentiques. Le diable, ça fait la deuxième fois qu'il perd sa tête. Donc on en a mis une nouvelle. Je crois même qu'il est dans une cage de verre maintenant. La grande fresque qui est magnifique, qui permet aussi de comprendre beaucoup de choses de l'histoire. On en avait parlé dans le premier bouquin, deuxième et dans le troisième. La fresque est en train d'être toute humidifiée, donc elle se fissure, elle se craquelle. L'intérieur de l'église est en train de prendre l'eau de partout. Je te dis, Nora, et je dis ça à tous les gens qui aiment Rennes-le-Château ou qui aimeraient connaître Rennes-le-Château, profitez-en vite parce qu'elle est en train de perdre son âme de plus en plus. Il n'y aura bientôt plus rien d'authentique. Tu sais, c'est Ouais, comme un c'est groupe. dingue. C'est comme le groupe Indochine. Le jour où Nicolas Sirkis va mourir, on va remplacer Nicolas Sirkis, mais est-ce que ça sera encore Indochine? Parce que finalement, on aura tout remplacé depuis le groupe d'origine. Est-ce que ça. Tu vois? Et Rennes-le-Château est en train d'être entièrement remplacé. Hein, et tous les jours sur Facebook, tu as des nouvelles photos, tu as des nouvelles choses. Et alors, moi, je conseille aux C'est gens, ouais. je conseille aux gens d'aller à Rennes-les-Bains, d'aller à Arques, d'aller à Serres,
d'aller voir les châteaux cathares, de tourner tout autour de cette région. La région, elle est magnifique. Rennes-le-Château, laissez-le un peu de côté. Et toute la région qui est aux alentours, elle est splendide. Esperanza est magnifique. Tout plein de petits coins bucoliques. Il y a plein de gens à rencontrer. Il y a des marchés. Il y a une âme. Il y a vraiment l'âme du Razès. Rennes-le-Château disparaît, mais c'est tant pis pour eux. Enfin, tant pis pour eux, je veux dire. Tant pis pour ceux qui ont fait ça. Pas pour les gens de Rennes, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui sont outrés. Mais Rennes-les-Bains a son âme. Tous les lieux que moi, j'ai pu démontrer dans les bouquins, ils existent. Vous pouvez y aller. Il y a un charme fou à se promener. Voilà. Rennes-le-Château a toujours sa Il y magie. a Enfin, encore quand je des dis choses à Rennes-le-Château, voir, il y a encore des choses à le vérifier. Razès, oui, y a, le Merci. Razès a toujours son âme. Et Rennes-les-Bains, à mon avis, tu vois, dans les prochaines années, je pense qu'il va y avoir un tournant. Pour moi, de toute façon, c'est simple. La vraie histoire, elle se passe à Rennes-les-Bains. Rennes-le-Château était une vitrine pour ramener à Rennes-les-Bains. Rennes-le-Château, c'est la reine. Donc peut-être s'il y a un autre ouvrage, préparez-vous à ce que le titre soit Rennes les Bains, les amis. Ah, il n'y aura pas d'autre ouvrage. Pour moi, personnellement, si je l'intitulais Game Over, c'est pas pour dire j'ai résolu l'affaire. C'est pas ça. Je pense qu'on arrive. Ah, c'est très prétentieux ce que je vais dire. Tant pis, je le dis. Moi, après mon bouquin, j'ai envie de dire qui dit mieux. Tu vois? Et j'aimerais que quelqu'un dise mieux. Parce que moi, en tant que lecteur, j'aurais la chance de lire quelque Ça te chose fera rêver qui encore. me plairait, tu vois. Mais j'ai envie de dire qui dit mieux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, on a vu ci, on a ça, on a ça, on a ça, mais pour l'instant, on ne voit rien. Donc moi, je leur dis à ces gens-là qui dit mieux. Et s'ils sont capables de dire mieux, eh ben, tu m'inviteras 5 minutes dans Les Nuréens ont la parole et je dirai, ils ont dit mieux. Je l'avouerai. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'en est là. Alors ça fait peut-être un peu Est-ce qu'on prétentieux, peut. mais c'est ce qui me provoque. D'abord, première chose, je voudrais remercier Dolphia, Véronique 62, Vernix 62, Lomètre, Roxane. Merci pour votre soutien aux médias en passant par le chat. Merci si y avait eu d'autres personnes. C'est vrai que ce soir, vous l'avez vu, hein, j'étais vraiment la tête dans l'écran à écouter Rudy. Tu m'embarques, hein. Sérieusement, Je cette suis histoire, je la désolé, il y trouve a peut-être un peu passionnante. moins d'étoiles ce soir que les autres fois, parce Moi que... j'adore. Attends, les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles, nous on prend tout. Et surtout quand on est sur quelque chose justement qui... Tu avais raison, on est bien les pieds sur terre, tout est super carré, mais je trouve quand même que cette histoire est magique. Encore plus magique maintenant qu'elle est expliquée, maintenant qu'on a le décodage de tout ce savoir ancien, grâce aux photos que tu as faites, aux vidéos même qu'ont fait les anciens, les vidéos qui restent sur le net, les ouvrages qui sont là. Merci d'avoir mis plein de photos, surtout si ça tend à disparaître par des soi-disant rénovations Ouais. qui n'en sont pas. Donc là, au moins, c'est là et ça te permet justement de pouvoir encore te faire revérifier, recontrôler par d'autres parce que les photos sont là. Voilà, c'est tel que tu as Ouais, trouvé heureux, c'est les sûr. lieux. Et je voulais te remercier pour tout ça. Les amis, j'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour prendre vos questions et vos commentaires. On arrive à la fin de cette émission-là. Je vais essayer de voir s'il y a des petits commentaires sur la Prends une dernière. question quand même. Ça serait Alors, dommage, ça doit être hyper frustrant. je cherche le point d'interrogation. Je remonte un petit peu dans les commentaires. Beaucoup de personnes te remercient d'ailleurs pour ce partage et justement pour dire que oui, Rennes-les-Bains, c'est magnifique. Donc, Ah oui, non, mais c'est allez-y, les diplômé. amis. En plus, ils ont souffert, hein. Il y a eu les inondations encore dernièrement. Enfin, Rennes-les-Bains et les villages aux alentours. Mais visitez le Razès, faites le petit tour, allez boire dans des cafés là-bas. Enfin, vraiment, c'est magique. Alors, j'ai un commentaire de Jean-Luc Martin. Moi, ma découverte sur le tableau des bergers d'Arcadie, l'ombre du bras reporté sur la pierre forme en fait la forme exacte d'une montagne vue du ciel, juste à côté de Rennes. Rudy, ton avis? Et c'est impossible parce que comment eux à l'époque du tableau des bergers d'Arcadie, comment ils auraient pu prendre cette vue du ciel? Voilà, c'est simplement Attention. ça. Nous, on Je peut dis te pas que c'est. ramener des petits ovnis sur Nuria, n'oublie pas. Oui, bien sûr. Tout n'est jamais Mais tout blanc ou tout noir, il y a toujours un petit gris quelque part. Vue du voilà, ciel. moi j'aurais déjà une Petite réticence en me montgolfière. disant. Ouais, bien sûr, c'est possible avec le montgolfière, mais je pense qu'il faut monter quand même en altitude pour pouvoir voir ça et je les vois pas. Non, en 1650, je crois pas que les frères montgolfiers avaient déjà fait la montgolfière. À vérifier, mais je suis pas sûr. À vérifier. Alors. Juste, ah bah tiens, aussi merci à Olivier SLS, merci beaucoup, qui nous dit Rennes-le-Château, une partie de mon enfance. Ouais, mais Ça. il faut que ça reste dans le cœur des gens comme tel. Alors ensuite, j'ai une question de Padawan. Que pense Rudy de l'emplacement dont Jean-Patrick Pourtal parle, où il y a une zone Ah, excellent. d'effondrement? Alors, oui, Jean-Patrick Pourtal, il parle d'un. Bon, il donne une sorte de décodage pour arriver à un endroit où il y a un éboulement.
qui est juste en contrebas de Rennes-le-Château. Alors, moi, je veux bien, mais pourquoi construire tout cet immense domaine pour indiquer un lieu qui est à 15 mètres plus bas ? Ça, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Ça, c'est une chose. Ensuite, voilà, c'est encore une réflexion. En 67, il y a l'Or de Rennes qui sort. Mais un peu au préalable, Noël Corbu parlait de son histoire de trésor, et je peux vous dire qu'avant la sortie de l'Or de Rennes, les premiers chercheurs qui allaient chez Noël Corbu, on leur racontait l'histoire du trésor de Rennes-le-Château. Je peux te dire qu'ils ont fouillé dans Rennes-le-Château, les anciens en parlent très bien, et ils ont fouillé dans le village. Après, les fouilles ont été interdites, et je peux te dire une chose, que s'il y avait vraiment une sortie de souterrain, alors c'est possible qu'il y ait une sortie de souterrain, parce qu'il y avait le château. Donc quand il y a un château, il y a souvent une sortie de souterrain, tu sais, quand ça commence à chauffer. Les mecs, ils ont fait quoi pendant des dimanches entiers, des vacances entières ? Quand ils ont pu tourner dans le village, ils ont tourné autour du village. Et je peux te dire, moi je le sais parce que des gens comme Jean Pelet et tout l'ont fait, des anciens chercheurs, ils ont ratissé au centimètre carré tout autour du village jusqu'en bas. Donc s'il y avait une entrée de souterrain, ils l'auraient vu. Parce qu'ils ont dû le faire par en haut jusqu'en bas et de par en bas jusqu'en haut. Et les mecs, ils ont fait ça, à mon avis, mais ça paraît logique. Et donc, alors, Jean-Patrick Pourtal, il propose cet éboulement. OK, il y a un éboulement. Donc, s'il y a un éboulement, c'est qu'il y avait un creux. OK. Mais maintenant, lui, il nous indique... Moi, j'ai du mal. J'ai du mal, clairement, avec cette chose. Pourquoi on aurait construit un si gros truc à Rennes-le-Château pour indiquer un point qui est 15 mètres plus bas ? Moi, j'ai un peu du mal avec ça. C'est une hypothèse. Parce qu'on parle beaucoup... À vérifier, à valider... On parle beaucoup du souterrain de Rennes-le-Château avec, où il y aurait eu des choses qui auraient été entreposées, notamment le trésor de l'évêché d'Alette. Encore une fois, c'est une histoire là, qui est sortie dernièrement, mais qui ne tient que sur le témoignage d'une vieille dame. Et encore une fois, c'est trop fragile. C'est-à-dire qu'il y a le témoignage d'une vieille dame qui aurait été dans la tour Magdala, qui connaissait Marie Desnarnauds, mais on est sur un témoignage d'une personne ancienne et qui aujourd'hui n'est pas avérée. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas vu le souterrain du coup. Voilà. Et une petite réponse de Benoît, 1783, première montgolfière. Donc, c'est possible, on est dans la bonne période. Ah ouais, non, 1783, la montgolfière. 1783, ouais. Ouais, mais le berger d'Arcadie, 1650 au plus tard. Ah oui, d'accord. Okay. Ah bah ouais, non, ça marche pas. Moi, j'étais sur l'abbé Boudet, tout ça, c'était 1800 et quelques. Donc, flûte, voilà. Bon, bah non, donc cette théorie, elle tombe. L'autre, 15 mètres plus loin, tout ça, ce serait bien d'avoir des raccords au moins sur des preuves, en fait, ou des messages qui indiqueraient ce décalage, 15 mètres plus loin, n'importe où, mais qu'on puisse le retrouver dans les messages. Il donne une explication en se servant notamment sur le clocher d'une sorte de pierre qui dépasse du clocher, comme quelque chose d'assez singulier, alors que ces pierres qui dépassent des clochers, on en retrouve une à Rennes-les-Bains et on en retrouve dans plein d'églises. Donc finalement, on s'appuie sur un élément qui est relativement singulier. C'est un peu comme si j'alignais une fenêtre avec un muret, tu vois. C'est pas assez spécifique pour pouvoir fonctionner. Il y a Atlante. Selon moi, après. Alors attends, il y a déjà Corée Paulin qui nous dit « Super content d'avoir partagé ce chat, première fois avec Nora, érudit et les Nuréens sur ce sujet passionnant, j'y vais cet été. » Il n'y a pas de hasard, voilà, pour ta première fois, il te fallait ces infos pour y aller cet été. Merci beaucoup Corée. Et il y a Atalante, Julien, qui te demande « Est-ce que la grotte n'est pas plus ancienne qu'on le pense ?» Alors la grotte, elle doit forcément dater, après c'est géologique une grotte, mais elle doit dater... Je comprends pas trop la question. Oui, la grotte, elle a forcément dû exister. Déjà au niveau des bergers d'Arcadie, si les bergers d'Arcadie ne sont pas en 1650, la grotte était connue déjà de cette époque. Il faut savoir que le lieu où la grotte existe, il y a tout autour des tumulus. Tu sais, ces sortes d'amas de pierre qui sont en fait des anciens cimetières romains. Il y a tout un passé romain autour de Rennes-les-Bains qui laisse penser que les gens se sont peut-être fait enterrer autour de cette grotte parce que dans cette grotte, il devait y avoir quelque chose de sacré. Tout ça, de manière logique. Mon ami Ludovic, qui fait partie d'Arcana, qui a sa chaîne Arcana, les mystères du monde, a retrouvé une piste comme quoi la route de Saint-Jacques-de-Compostelle passait par Rennes-les-Bains à un moment. Il y a plusieurs routes, mais notamment une qui passait par Rennes-les-Bains. Rennes-les-Bains, c'est quelque chose qui a un passé romain incroyable. Et les liens entre la Rome, la capitale Rome et Rennes-les-Bains, il se fait assez facilement. Et aussi par l'Académie d'Arcadie, mais ça, voilà, on n'en a pas parlé ce soir, c'est dommage. Mais l'Académie d'Arcadie, oui, il y a vraiment un lien entre
entre les créateurs de, pour faire très rapide, entre les créateurs de la Fontaine de Trévi, il y a l'Académie d'Arcadie, et on va retomber jusqu'à Monsieur de la Bruisse, qui avait écrit Voyage à Rennes-les-Bains et qui était un membre éminent de l'Académie d'Arcadie. D'accord, merci. Voilà. Il y a Lady Montaigu qui te demande, le symbole peut-il être la représentation d'un blason, d'un genre de blason? Oui, sans doute. Bah, en tout cas, ce glyphe, on le retrouve assez peu. Ça ressemble à un 4, mais on me l'a montré à Lyon, on me l'a montré sur un mur à Lyon, en photo, mais je ne sais pas à quoi le rattacher. Après, voilà, tout simplement, c'est un moyen de joindre des points entre eux. Donc, peut-être okay. Pas d'autre symbolique que ça. Hein. Peut-être le poisson, merci. Encore. On avait dit aussi en début d'émission que ce symbole qui pouvait parfois représenter un poisson, est-ce qu'il était poisson, l'abbé Boudet, et il me semble pas, non, il est né le 16 novembre. Donc, poisson, c'est mars, début mars, il me semble. Mais après, reprend la logique. L'abbé Boudet connaît le glyphe, du coup, enfin, il le redécouvre, il voit ce glyphe. Et par ce glyphe, il y voit un poisson, et par ce fait-là, il va mettre sur sa tombe le ikois, qui veut dire poisson en latin ou en grec. Je vais me faire chahuter si je ne dis pas le bon truc, alors je vais dire les deux. Et voilà comment le cheminement peut aussi se faire. Ok, merci. Alors, je te prends encore une autre question. Cosette Olivier qui nous dit, le trésor, un rapport avec les cathares, voire un trésor des croisades? Non, alors les cathares, déjà, c'est. Les cathares faisaient vœu de pauvreté. Donc, par essence, ils ne pouvaient pas. Enfin, ils étaient pas dans la. Ils rejetaient tout ce qui était matériel. Donc, ça ne peut pas être un trésor monétaire. Ça ne peut pas être un trésor de. C'est quelque chose. Alors, peut-être des textes gnostiques. On dit cathares, mais en fait, c'était les bons hommes. Les cathares, c'est un terme qui est arrivé bien après. Peut-être, mais des écrits. Voilà, les cathares, ça peut pas être autre chose que ça. Hein. Ça peut pas être des tonnes d'or. C'était déjà contre leur philosophie déjà. Donc non. Ok. Après des écrits, oui, pourquoi pas. Il y a le Johan qui te dit, j'ai une question. Il y a un menhir à côté de Rennes-le-Château et il est dit qu'il y a une caverne en dessous. Et est-ce qu'il a déjà été déplacé ou pas? Alors le menhir, c'est le menhir de Pérol. Il a une importance capitale par rapport à notre énigme. J'en ai pas parlé parce que justement, je veux pas trop en dire. Enfin, j'en ai déjà dit pas mal, mais je veux pas trop en dire parce que je veux que les gens, il faut qu'ils voyagent avec le bouquin, tu vois. Faut qu'ils aient des surprises. Alors, on leur a dit ce qu'il y avait peut-être au bout de la surprise. Je voulais justement vous dire, les amis, que c'est hyper compliqué, c'est hyper difficile de faire un live déjà à la base. Et là, de vous expliquer le travail des codeurs de l'époque qui ont pris un temps fou, je pense, à tout coder. Et donc, quand on décode, ça prend aussi du temps. Là, il y a eu d'ailleurs trois ouvrages, tu as eu un cheminement très très long et que c'est très difficile pendant un live de sortir, ben tiens, telle photo, je vais l'utiliser pour ça ou ça, mais je peux vous dire qu'à l'intérieur là, de ce bouquin, il y a la totale. Hein. Vous allez vraiment prendre le temps histoire, de vous poser et tout comprendre, ça raconte une histoire, il y a tout le cheminement. Voilà, donc pour ceux pour qui ça a été un petit peu flou ce soir, mais qui trouve le sujet hyper intéressant, passez directement à l'ouvrage, et là vous allez comprendre la magie du truc, et pourquoi on n'arrête pas de dire que ouais, ça pourrait être un jeu, que ça serait génial, hein, une quête. Alors le bouquin, il est fait de manière romancée, c'est-à-dire que pour que ça soit digeste, parce que faire que du décodage, c'est bon, tu te flingues. C'est marrant à lire, mais je pense que ça, tu n'en prends pas beaucoup de plaisir. Je lui ai donné une forme un peu romanesque, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui ne se sont pas forcément passés comme ça, mais la résultante est la même. Parce que voilà, j'ai voulu donner une forme pour que ça soit agréable à lire. Donc ça se lit aussi comme un roman d'aventure. Ouais, enfin, je ne sais pas comment toi tu l'as perçu en le lisant, mais c'est vraiment ce que j'ai voulu donner. Bah, c'est... En fait, on est dans ton équipe, quoi. C'est ce que j'ai aimé. Dès la première fois d'ailleurs où je t'ai vu et où je t'ai lu, je me suis dit, tiens, je participe à une enquête. Et je me dis, mais moi, je n'aurais jamais vu ça. Ou alors, ah ouais, si, ça, je l'aurais vu aussi. Ou voilà, je faisais des liens. C'est ce qui m'a donné aussi envie de faire des énigmes, des jeux d'énigmes sur Nuria TV à l'époque que je faisais. Ouais, d'ailleurs, ouais. Que j'ai repris, les amis, ça va arriver, les énigmes. Hein. Je mets un petit peu de temps à vous poser les premières énigmes. Mais voilà, c'est Rudy qui me les a inspirées en me montrant... en décodant donc ces anciennes énigmes, comment les anciens faisaient, comment je pourrais faire moi, enfin c'est, j'adore, c'est trop bien. Écrivez-vous des mails avec des énigmes dedans, enfin c'est génial. Je te jure, j'adore alors, ça. Je
je fais parler l'abbé Boudet. Hein. L'abbé Boudet est un personnage de BD, du coup, entre le 1, le 2, le 3. Et l'abbé Boudet, à la fin, va nous donner la solution de son bouquin. Voilà, il va nous parler directement à nous et il va nous expliquer le cheminement parce qu'il avoue que c'est très compliqué. Donc il dit, c'est bon, maintenant on voit le truc, vous avez compris la crypte, vous avez compris la grotte, je vais vous donner la clé de mon bouquin. Et il explique son bouquin. Voilà, je l'ai fait vivre. Boudet, c'est un personnage qui a été avec moi tout le long. Tout le long, j'avais Boudet avec moi. Je le ressentais, je l'ai dessiné, donc je lui ai donné vie. Et Boudet, ça a été mon compagnon de route, et ça l'est encore un peu aujourd'hui, parce que je suis en train de remasteriser le 1 et le 2. Donc j'ai toujours Boudet avec moi. Et à la fin, je lui ai donné... Enfin, déjà dans le 1, je l'avais fait, peut-être maladroitement, mais j'avais quand même tenté de le faire. Et là, je lui ai vraiment donné le mot de la fin. Et c'est mon Boudet, en fait. Voilà, c'est tel que je l'ai ressenti. Donc je l'ai fait parler... Écoute, il y a Renaud qui te dit « Belle émission, Nora et Rudy, merci. Très chargé en informations à digérer. Le bouquin doit être passionnant. » C'est ça, faut poser les choses. C'est un livre sur ouvrage, là. C'est une quête sur ouvrage. Pas uniquement, mais parce que tu t'es déplacé aussi beaucoup sur les lieux. Oui. Mais ça a commencé par les bouquins. Ah bah oui. Donc merci, merci à toi, merci à vous tous pour avoir passé tout ce temps avec nous ce soir, avoir découvert pour certains l'énigme de Reine le Château, le fameux mystère, Reine, mais on a envie de dire Reine tout court, Reine le Château, Reine les Bains, voilà, on a compris que alors, rien juste un petit n'est mot tout parce si simple. On fait jamais rien tout seul, moi je refais un petit coucou à mes amis qui sont Je t'en restés, prie. hein. Après le clash, ouais, il y en a qui sont restés, je fais un gros coucou à Bruno, qui est à Rennes-les-Bains, qui nous regarde ce soir, qui fait partie des ABJ. Donc je fais un gros bisou à tous les ABJ, mais lui tout particulièrement, parce que c'est quelqu'un qui a un super projet en plus à Rennes-les-Bains. Et comme Rennes-les-Bains, je sens que Rennes-les-Bains à l'avenir va devenir. Faut pas que ça devienne un Disneyland. Hein. Faut respecter ce lieu, parce que Rennes-les-Bains, c'est juste trop joli. C'est un tout petit village. Il faut que Rennes-les-Bains reste Rennes-les-Bains. Je pense qu'avec des gens comme Bruno, à l'avenir, on peut leur faire confiance, parce que c'est des jeunes et. Et voilà, je pense qu'il y a un avenir qui se profile. Rennes le château, c'est tirer une balle dans le pied. Rennes le château va mourir, à mon avis. Hein. Ouais. Mais Rennes les Bains va amener quelque chose. Et puis comme moi je le crois, l'église de Rennes les Bains renferme quelque chose. De toute façon, tu le sens quand tu es là-bas. Enfin, y a une résonance à Rennes les Bains. Rennes les Bains, c'est. Enfin, je sais pas comment le dire. Tu peux pas. On le peux pas ressent. expliquer. Non, mais tu ne peux pas expliquer le goût du chocolat. Donc, moi, je ne vais pas t'expliquer le goût du chocolat, je ne vais pas t'expliquer l'amour que j'ai pour Rennes-les-Bains et je ne peux pas t'expliquer ce que je ressens. Allez-y. Allez sur la place, buvez un café, promenez-vous, faites le tour. Il y a des randos à faire qui sont magnifiques. Et marchez sur les traces de ces curés et vous vous dites, on passe là où ils ont passé, où ils sont passés. Et c'est juste. Et vous ressentez. Vous allez au fauteuil du Christ, qui était ma première découverte. Vous vous asseyez et vous ressentez. Et tous les gens qui vont là-bas ressentent. Et regardez le ciel le soir, vous verrez. Il y a des étoiles filantes qui font des virgules, font des U même. Ça, c'est pas mal, ça. Wow. Merci, merci à Comme moi, toi. je les ai vues. Hein. Merci Rudy, merci, ça a été encore un beau moment à passer en ta compagnie. Je te souhaite écoute, le meilleur pour la suite de tes recherches, parce que je pense que même si ce dossier de Rennes-le-Château est quelque part un peu classé pour toi, t'en as fait un grand tour, ce serait bien que tu t'intéresses à d'autres mystères. Tu sais ce que je vais faire Est-ce la que tu as une prochaine fois bonne que je vais à méthode? Rennes-les-Bains? Non, la prochaine fois que je vais à Rennes-les-Bains, je pars avec mes potes et on va se balader. Parce que jusqu'à présent, on y allait pour chercher, creuser, machin. Là, on va se balader. Juste se Ça y est, t'as balader. raison. Merci, Et merci à vous. je sais que Bruno va m'emmener dans plein de lieux que je ne connais pas. Donc, ça, c'est génial. Voilà, c'est lui qui va me montrer des trucs. Merci. Merci à toi, merci les Merci à tout amis. le On monde, se retrouve surtout. très vite sur Nura TV et je te remercie oui, de me devancer là-dessus. Merci à vous tous qui nous avez regardé ce soir, qui nous avez suivis. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, mettre un like ou un commentaire ou même une idée qui vous passe par là pour peut-être vous donner des pistes de prochaines quêtes à Rudy dans les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas. Non, non, On moi j'ai va fait pas pour celle-là. le laisser. Non, 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 on va pas Ah, le je crois laisser pas. tranquille. Quand on a un cerveau qui réfléchit comme ça, on a envie de le pousser sur d'autres dossiers pour voir, au moins pour voir un petit peu ce Ouais, qui pour pourrait voir. En tout cas, ressortir. je Mais remercie. regarde, regardez les amis, juste pour revenir en début d'émission, même quand il va se balader tranquille en vacances avec sa compagne, le Reine le Château le rattrape, le retrouve. En Donc tout c'est cas, peut-être pas terminé.
Je voulais vraiment remercier Daniel Dugès qui m'a soutenu tout le long, Charlie Sanson qui m'avait fait la préface du premier bouquin, qui est un homme magnifique. Allez lire ses bouquins aussi sur le sophromagnétisme, sur ses enquêtes. Charlie Sanson, c'est un vieux de la vieille qui a 92 ans aujourd'hui, mais qui a l'esprit aussi vif que nous ce soir. C'est un homme fabuleux. Lisez aussi ses bouquins parce qu'il a travaillé avec Jimmy Guilleux, ça va parler à plein de gens. Je remercie les ABJ, je remercie enfin, tous les gens de près ou de loin. Même mes ennemis, je leur fais un petit bisou parce que je pense que si grâce à eux on Bah, ils avance aident à aussi, réfléchir. on avance. Ouais, voilà, ils aident à réfléchir. On se vérifie trois fois avant de publier. Comme ça, j'aurai mes points pour le paradis en disant ça ce soir. Je leur pardonne, c'est pas grave. Ils savent pas ce qu'ils font. Et puis je remercie tous ceux qui ont acheté les livres parce que pour moi c'est quand même pareil. Tu sais, tu vends des bouquins, ouais, tu dis c'est cool, mais tu dis il y a quelqu'un qui a mis 20 balles sur un bouquin. Il a mis 20 balles, donc. J'espère qu'il les a pas dépensés pour rien. Normalement non, parce que j'ai des bons Écoute, retours. moi j'ai des Mais bons retours aussi sur le tchat au début. J'ai eu des Nuriens qui avaient déjà le premier et le deuxième, voire déjà le troisième pour certains. Tout le monde est satisfait. Donc, ouais, parce qu'il est sorti l'année écoute. dernière. Et ouais, je pense que quelqu'un a dit, lisez mon bouquin, vous perdrez pas votre temps. Et ben voilà, j'espère que ça sera pareil. J'espère que vous voyagerez, que ça vous fera plaisir. Et moi, je l'ai fait de manière honnête, hein, donc, je pense que ça se voit dans le bouquin. Moi, je me suis trop fait arnaquer sur des bouquins sur Rennes le Château pour pas le faire aux autres. Et tout est vrai dedans. Voilà. Et vérifiable. Voilà. Voilà, donc à vous de jouer. N'hésitez pas à vérifier les informations. Merci à vous tous. Merci Rudy encore une fois. On se retrouve donc la semaine prochaine sur Nuria TV. Je vous laisse pour tous ceux qui veulent avoir des informations en amont, vous inscrire à la newsletter en passant par le site www.nuria.tv. Comme ça, on vous envoie une newsletter tous les samedis, exceptionnellement le dimanche, avec les actualités à suivre sur le média. Merci ce soir à l'équipe de Modo qui ont fait un travail, mais juste magnifique. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être présent. Merci de faire en sorte qu'on puisse échanger sereinement et même sur des sujets aussi clivants que celui de ce soir. C'est pas un des sujets les plus clivants que nous avons sur Nuria TV, mais c'est quand même un petit dossier qui a son importance et qui peut en perturber quelques-uns. Donc voilà, merci à vous tous pour votre compréhension, votre ouverture d'esprit. N'hésitez pas à vérifier les informations, en plus qu'on s'est demandé par la personne qui vous partage ses Ah recherches. oui. Tout le monde ne demande que ça. Quand on a une honnêteté de chercheur, c'est, voilà, Un d'être dernier petit vérifié. truc. Les bouquins, il y en a à la Porte de Rennes, hein, donc la librairie de Rennes-le-Château qui a un site internet. Je vous conseille plutôt de passer par les librairies parce qu'il faut les faire vivre, tout simplement. Puis là, avec ce qui leur arrive avec les travaux à Rennes-le-Château, c'est bien difficile. Donc il y en a sur Amazon. Il va y en avoir bientôt plus parce que j'ai eu un problème de restock. Mais il va y en avoir après. S'il y a une rupture, ça sera pas long. Et puis voilà. Mais faites vivre les librairies. Enfin, la librairie de Rennes. Parce que moi, je suis en auto-édition, c'est pas distribué plus que ça. Mais si vous pouvez passer. Ou sinon, vous passez par moi directement. J'ai la page Facebook, donc il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez les informations sous la vidéo ou alors la page Facebook effectivement de Et Rudy. puis Merci à vous merci tous et à merci pour Nuria, votre surtout, super hein. commentaire. Ouais, Padawan qui nous dit merci Nora, Rudy, les modos et bonne soirée à tous les Nuriens. Namasté. Merci, merci à toute l'équipe. À très bientôt sur Nuria TV et surtout d'ici là, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao les amis, à bientôt.